プレイステーション。みんな始めてる。行くぜ100万台。プレイステーション。高代さん、おなし取ってください。高代さん。あ。落ちちゃった。みんな始めてる。行くぜ100万台。プレイステーション。 このマヤさんって名字がないのね。確認聞いてくれれば。聞いたのよ、もう全部。終わった。みんな始めてる。行くぜ100万台。プレイステーション。二人がもっと仲良くなるには何すればいいの。行こうか。どこへ。行くぜ200体と。すごいことになってきた。プレイステーション。 今山田さんプレイステーション買ったなって思ったでしょ。え、一緒にできたらなって思ってる。いや、いいのか。行くぜ200体と。すごいことになってきた。プレイステーション。楽しいね藤井君。そう、こんな楽しいこと他にないよね。家でゲームしてる方がいいな。とんでもない。スポーツしてる藤井君は素晴らしいよ。行くぜ200体と。すごいことになってきた。プレイステーション。 みんな持ってるからっていうのは逆効果なんだよな。ママに味方に巻き込めるの。ママを孤立させるのは。行きたいね。できるだけ。プレイクリスマス。行くぜ200万台。プレイステーション。このお鍋2人で買ったどうする。それには思い出詰まりすぎてる。じゃあもらっとく。でもそのプレイステーションももらっとく。最後のクリスマスプレゼントね。プレイクリスマス。行くぜ200万台。プレイステーション。 お母さん、お父さん、プレイステーションしていますか？クリスマスプレゼントに最適のプレイステーション知っていますか？していますか？プレイクリスマス。行くぜ200万台。プレイステーション。そうそう、プレイステーションについてはもう一つ。今年はこの PS デカ靴下に入れて配ってください。外は雪です。頑張って。プレイステーション。 Ah oui, j'ai oublié ça. 今年はプレイステーション買ってやろう。あの子たちにはクリスマスまで我慢我慢って言い聞かせ。J'avais oublié de déplacer le micro pour qu'il soit pas à côté de l'aération du PC. Bonsoir. Comment vont tous les gens qui viennent ce soir voir la suite, mais pas la suite finalement, car je me suis concerté avec moi-même et mon équipe d'images et de stream, et finalement je pense qu'on va recommencer le jeu à zéro. Parce qu'il y a trop de gens qui n'ont pas vu le début. Et on va quand même re-regarder un tout petit peu l'historique du jeu viteuf. T'as kiffé la PS1 sur PS5 avec Ape Escape, c'était terrible. C'était un émulateur quoi. Je l'ai vu jouer à Ape Escape et je me suis dit, la PlayStation, qu'est-ce qu'elle avait comme jeu phare de plateforme déjà? Medieval et Ape Escape. Et là j'ai dit... Aïe aïe aïe. Et c'est là que j'ai vu que la 64 était la console des jeux de plateforme de l'époque quand même. Parce que bon, parfois il faut savoir quand même ouvrir les yeux. Et la 64 elle avait pas beaucoup de genres de jeux hein, au final. À part les jeux de plateforme, elle avait pas grand chose en réalité même. Elle avait très peu de jeux de voiture phare par rapport à la PlayStation. Elle avait très peu de jeux de combat, voire quasiment aucun qui était valable par rapport à la PlayStation ou à la Saturn. Et c'est un peu triste quoi. Et le pire, je fais Siphon Filter, oh mon dieu, Oscur. Oscur! Il paraît que Siphon Filter, il est assez gratiné, ouais. J'ai pas trop eu l'occasion de tester. J'ai démarré le live tellement en avance, bordel. J'en ai râlé pour le platine. Mais t'as réussi à l'avoir, du coup, le platine de Ape Escape? Parce que c'est GG si t'as réussi, mais moi, j'ai pas la patience. Jamais j'aurai la patience. Et du coup, comme je le disais, pour Escape from Monster Manor, qui est le jeu de ce soir, il va falloir qu'on revienne vite fait sur la page Wikipédia au moins, et sur le Moby Games, parce que on va pas revenir sur les magazines, ça, je pense que ça va, c'est dans le live d'avant, mais ça serait bien quand même de représenter un tout petit peu le jeu qu'on va faire, et de recommencer à zéro en vrai, parce que sinon le live va durer
va pas durer assez longtemps et je vais être vite dans l'embarras parce que le jeu va devenir trop dur. Donc je préfère vous proposer un petit retour à zéro. La 3DO de l'horreur! Attends, t'as encore rien vu. T'as même pas encore vu. Après, c'est pas le pire jeu de la 3DO. Hein. Les jeux de la 3DO, en vrai, il y en a pas tant que ça qui sont vraiment mauvais, mauvais, moi je trouve. Oui, le platine obtenu en deux versions PS4 et PS5. Plus jamais. Ah oui. Je comprends. Après, je sais pas trop. Je comprends pas pourquoi Sony s'applique pas un minimum quand il s'agit de la PS1. Quand il s'agit de reproposer de la PS1 à ses clients, je comprends pas pourquoi ils font pas plus de travail. Ça leur coûterait pas super rush en plus. Microsoft fait vraiment un énorme boulot là-dessus et je pense que Sony devrait vraiment les copier quoi. Hop, soir! J'arrive au lancement du stream. Oui, j'arrive au lancement du stream. Pourquoi? Parce qu'il est très en avance, le lancement du stream. Il est 52, il reste 3, il reste 4 minutes de décompte. Salut Capitalium, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Ce soir, on joue à la 3DO Escape from Monster Manor, que j'ai commencé d'ailleurs hier. Alors, pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on refait Escape from Monster Manor? Parce qu'hier, j'ai commencé le stream. Et à 2 heures de stream, j'ai eu une migraine foudroyante. Ça m'arrive très rarement. Ça m'arrive une fois par an, il n'y a aucun médecin qui a réussi à me diagnostiquer le problème. En gros, hier, ça m'a fait une migraine qui m'a poussé jusqu'à des nausées. Et ça a fini par se calmer. Salut Unmower, merci pour le test. Je sais que le chat fonctionne, désormais. Et ouais, du coup, bah, ce soir, ça devrait aller mieux. À moins que ce soit les vapeurs de la chaleur de la 3DO qui s'échappent par les aérations, qui me fait tomber dans les pommes. Mais je pense pas. Ah oui, de savoir que ça va mieux en tout cas, bah merci, c'est très gentil à toi. Je devais te dire un truc l'autre fois, mais je sais plus ce que c'est. Non, pas migraine ophtalmique, puisque sinon ça m'arriverait plus souvent que ça, mais je sais pas du tout ce que c'est quoi. Bah, c'est chelou. Qu'est-ce que t'avais dit l'autre fois? T'as pas dit un truc pour que j'ai besoin de te répondre? Je ne sais plus. Ouais, du coup on va s'amuser ce soir, ça va être quand même cool, j'imagine. La gueule de bois. Non, pas un samedi après-midi où il y avait le samedi après-midi, je m'attaque pas encore. Par contre, le soir, je suis allé à une fête où j'ai gentiment bu. Ah oui. Fanfic, toujours pas. Oui. Je suis désolé. Je sais. Je sais qu'on m'attend. Je sais aussi que j'ai eu une crise existentielle après cet arrêt de stream. En me disant finalement, est-ce que c'est pas la fin de ma carrière de streamer puisque je n'ai pas réussi à finir un stream et que en plus je me sens de moins en moins obscur. C'est pour ça que je me suis remis à la 3DO. Et je suis plutôt content de revenir à la 3DO. Faut que je revienne à la Playdia d'ailleurs. Parce que j'ai des jeux à vous montrer, un original et un pas original. J'avais oublié ce jeu. Ce jeu est assez oubliable, en vérité, mais par rapport à Dr. Hauser, par exemple, qui historiquement est très intéressant, sur 3DO aussi, je vous avais fait Dr. Hauser il y a quelques années, quelques mois, je pense, pas quelques années, sur 3DO, c'était le premier survival horror full 3D, développé par River Hill Soft, les gars qui ont fait plus tard Overblood. C'est très intéressant d'ailleurs. Tu joues à la PSP ce soir? Tu joues à quoi sur PSP ce soir? Est-ce que tu joues à FF7, je sais plus quoi. Salut MO5, est-ce que tu joues à FF7 Crisis Core, dont je suis extrêmement curieux. Le remake, je suis très curieux de le voir. Voir ce que ça va donner, en fait. Pas la patte de la part. Des petites pubs PlayStation du début de stream, là. Faut que je trouve des sources où je peux trouver des pubs en bonne qualité des années 90 sur les consoles 16, 32 bits. Mais il faut surtout que je ressorte la Playdia, comme je vous l'ai dit, avec bah, notamment le jeu des animaux d'Afrique. Et puis j'ai recommandé, j'ai repassé une petite commande sur Bailly aussi, pour vérifier un petit peu, pour rajouter des petites choses à tester sur la Playdia. Là vous voyez le fameux Jumping Flash, vous savez le quatrième jeu de Jumping Flash que je ne connaissais pas. Il y a Jumping Flash 1, Jumping Flash 2, Robit mon dieu, Pocketto Moumou. Et ce jeu donc avec un espèce de rabbit, comme vous le voyez, un espèce de rabbit chelou, qui est un jeu d'IA. On éduque la petite IA là, et on lui apprend à faire des tours, et à la fin elle évolue toute seule dans son petit écran, c'est assez rigolo. Pet in the TV exactement. C'est un genre de jeu très peu courant, il y avait Seaman sur Dreamcast qui était un peu le porte-étendard de tout ça. Je suis entièrement cramé, pour être moins cramé on va faire ça.
Comment allez-vous? J'aime pas du tout ce morceau. Faut vraiment que je le retire. Mais... Désolé pour Zombies Ate My Neighbor. J'ai mis des nouvelles musiques dans la playlist. On va essayer d'en chercher une, au moins. Les nouvelles petites musiques de fond de stream que je vais essayer de mettre du coup un petit peu moins fortes que d'habitude. Là par exemple, j'ai récupéré les musiques de Banjo. Les petites musiques du remake. Bien, et ton micro? Mon micro est normalement il marche, là il marche comme avant. Il est peut-être pas assez fort. Je sais pas pourquoi il a baissé le son. Ouais, il a baissé de son et maintenant il est au bon volume normalement. Voilà, voilà. J'avais aussi Tamagotchi PS1, ouais, effectivement, ça c'était plus les jeux, effectivement. Tamagotchi, du coup. Mais c'est dans le même genre, ouais. Siman était très cool parce qu'en plus il y avait la reconnaissance vocale qui ajoutait vraiment une bonne dimension à tout ça. Bah on va tout de suite aller sur le Wikipédia du jeu. J'essaie de pas perdre de temps pour essayer de vous faire un max de gameplay ce soir. Est-ce qu'on est bien en rétro ce soir d'ailleurs? Je vérifie. On est en rétro. Tout va bien. Donc Escape from Monster Manor, c'est le jeu de ce soir. C'est pas Dr. Hauser que j'ai fait il y a quelques temps. C'est un survival horror en first person avec du shoot, bien entendu, parce que vous avez un pistolet. Il y a un bruit de fond. Ah oui. Bah, c'est parce que j'ai monté le volume, du coup, faut pas que je monte le volume alors. Le volume était bon tout à l'heure. En fait, quand tu m'as parlé de mon micro, je croyais qu'il y avait un problème de volume, donc j'ai réglé le volume trop haut. Je vais le remettre à 80 et ça ira très bien. Voilà. Là, il n'y a pas de bruit de fond. Là, on est bon. Et voilà, je mettrai juste la musique de fond un peu moins forte. Et bah, bienvenue à toi, MO5. Merci d'être présent à Capitalium, Mardios et tous ces gens qui sont là. Tous ces gens bons. Vous êtes des gens bons. Et merci beaucoup d'être présent car je fais des crises existentielles en ce moment. Sur mon existence et ma présence sur internet, est-ce que je suis utile sur internet? Surtout par rapport aux vidéos YouTube où ça devient de plus en plus compliqué de les faire, mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal, c'est des hauts et des bas, comme partout dans la vie, comme toujours, et ça va aller mieux, ça va passer. J'adore ces musiques. Donc, c'est un first-person shooter survival horror, vous allez voir que la partie survival horror, il faut rentrer dans le délire du jeu pour avoir peur, parce que bon, bah c'est... Tout basé sur l'ambiance et les graphismes en stream en général, on n'a pas trop peur. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il fait partie de l'histoire de la 3DO. Faut savoir que c'est un jeu développé par le fameux monsieur Léo Schwab, qui était programmeur sur Amiga, sur la démo scène Amiga à l'époque, et qui a tiré une grosse partie de la 3DO dans ce jeu-là pour en faire quelque chose de très impressionnant pour le lancement de la machine. Il a donc été retiré du projet Wolfenstein, qui était en développement sur 3DO, pour aller sur Escape from Monster Manor, donc qui est le FPS qui devait être le porte-étendard du lancement de la 3DO aux États-Unis. Il est sorti en même temps que la console là-bas, mais pas chez nous et pas au Japon. Il est sorti beaucoup plus tard, il est sorti un an plus tard au Japon et en Europe. Et au Japon, il s'appelle Bachua Ora. Alors, je vais vous le lire vraiment en vrai japonais, comme ça c'est mieux encore. Bacharu Hora Norowareta Yakata, qui veut dire Virtual Horror Norowarate Yakata, qui veut dire en fait. Alors j'avais eu la traduction du nom, peut-être que c'était sur Moby Games. J'avais eu la traduction réelle du nom japonais. Je sais plus ce que ça veut dire Norowarate. Ah oui, c'était sur Bay que j'avais eu la traduction, c'est vrai. Par contre, là, j'ai plus les recherches. On l'avait cherché sur Bailly hier, puisqu'on avait commencé la découverte hier, et on la recommence à zéro aujourd'hui, car j'ai eu une migraine foudroyante hier. On va tout simplement faire la vraie recherche, du coup, et on va voir ce que nous dit Bailly par rapport au nom anglais du jeu, parce que c'est assez intéressant. On peut voir qu'en tout cas, en japonais, ils portent pas tout à fait le même nom en US. Ok, bon, ça n'a pas envie, c'est pas très très important. Bref.
Donc, c'est un first-person shooter horreur dans un environnement en 3D. Le jeu est en 3D, vous allez voir, il n'y a que les murs d'ailleurs. Le sol et le plafond n'existent pas, il n'y a vraiment que les murs qui sont modélisés. On a une petite arme qui lance des éclairs sur des araignées, des fantômes. Alors, il y a des fantômes, vous allez voir, ils sont assez classe d'ailleurs. Il y a des espèces de morts chelous dans des manteaux qui changent de couleur selon leur énergie. Et vous allez voir, c'est un super bon repère pour l'énergie. En tout cas, dans le jeu, il n'y a aucune interface dans le jeu. Vous avez des tirs limités, c'est sur le pistolet que ça va être affiché, vous allez voir. Et votre bras qui tient le pistolet symbolise votre énergie par le fait qu'il se transforme en squelette. Plus vous vous faites tirer, enfin, vous faites toucher en fait, et plus le jeu devient. Plus vous allez mourir en fait, plus vous êtes proche de la mort. L'objectif du jeu c'est de collecter des morceaux du talisman sacré qui est dans le manoir, mais on va re-regarder l'intro du jeu pour que vous compreniez bien. L'intro du jeu c'est assez incroyable, c'est de la CGI mélangée avec de la. Enfin, et avec de la voix off. D'excellente qualité, ils ont un espèce de narrateur qui a une voix super stylée, et entre chaque niveau aussi, il va vous faire un petit topo sur ce qui se passe quand vous avancez. L'ambiance sonore est extrêmement soignée dans ce qu'on a vu hier, c'est vraiment très très agréable à jouer. On progresse de manière extrêmement cool dans le jeu. Et voilà la jaquette US. En gros, je voulais juste vous resituer rapidement le jeu, on va pas refaire les magazines parce que ça va être compliqué. Voici l'amulette qu'on cherche dans le jeu. On va la revoir d'ailleurs dans l'intro. Bon, je vais vous la repasser. Et on peut passer en catovision pour commencer tout de suite la découverte, enfin, la redécouverte du jeu. Hop, hop. Normalement, j'avais préparé un truc, mais ça n'a pas marché. Rapidement. Et ces tipeurs pourront se retaper l'intro. Alors, on va essayer de se mettre en scène cinématique. Et on rejoue l'intro du jeu avec le volume du jeu. Ah, another visitor. Don't be afraid. Be terrified! Foolish mortal, you are lost! Even now, evil's dark hand reaches for your soul. But since you are here, I, one who has lived through the ages, will kindly tell you a story. Listen carefully to my tale, for one day it may save your life. Centuries ago, in a distant land, a mysterious cult forged a great disk of gold. It sparkled with captured sunlight and protected its creators from all evil. This talisman shielded generations of worshippers from even the darkest night's terror. But this exile of evil did not last. Blind greed and petty jealousy led to the talisman being broken and divided among reckless factions. By trying to secure the talisman's power for themselves, these fools reduced it to fragments of useless metal. Ghastly ghouls and black horror once again commanded the night. The forces of evil, unchecked by the talisman's brilliant light, threatened the world with endless gloom. Seeking to fight the tide of terror, the one who built this very house tried to capture again the glory of the talisman. Traveling the world, he collected the long-forgotten pieces and succeeded in reassembling the golden relic. His quest nearly cost him his life. But had he saved the world? No! His descendants fled the manor when they discovered evil had found ways to threaten the talisman with destruction. New horrors! Deathly forces gather! It grows even too dangerous for me! Fool! Flee this mad place while you can! The talisman nears the end of its reign! Heed me! Fly far! Fly fast! A dark dawn approaches and hell strains at the gate!
Et on passe en catovision avec le son de ma voix. Et je vous disais que ce n'est pas Electronic Arts qui a créé le jeu, mais la 3DO Company. Alors là, Mr. Bones, effectivement, c'est excellent. Alors j'ai pas doublé ma 3DO Mardios, donc c'est une bonne question. Je passe pas par le Mister non plus, malheureusement. Si seulement le Mister FPG avait un corps 3DO, je jouerais tous mes jeux dessus, même si ça me fendrait le cœur, parce que ma 3DO ne tournerait pas et j'ai envie que ma console tourne. Ce soir, on est sur 3DO Real Hardware. Et comme la 3DO a deux sorties vidéo, elle a sorti composite et S-Video sur quasiment tous les modèles, en tout cas tous les modèles que je connais. Donc je sors en S-Video sur le cathodique et en composite sur la carte Elgato via le Retroscaler 2X. Donc ce que vous voyez là, c'est du composite x2 avec pas de filtre. J'ai pas mis le filtre qui permet d'améliorer les choses parce que finalement il l'améliore pas tant que ça, je trouve. Et de toute manière, la vision du Retroscaler 2X est toute petite, donc c'est pas très très utile. Sinon, il y avait d'autres questions. Il y avait que le son de la 3DO, effectivement, c'était normal. C'était pour que vous entendiez bien l'intro, que je m'étais mute. Et pendant que j'étais mute, j'avais oublié que j'étais mute et je vous ai dit. C'est un jeu fait par 3DO Company, distribué par Electronic Arts, et donc fait par un demo maker Amiga, qui a œuvré dans beaucoup de jeux 3DO dans l'ombre. Et sur celui-là, il a travaillé à fond, et il était vraiment lead programmeur de ce jeu-là. Salut Tom Vokova, salut Mardios, salut Arax, salut tout le monde d'ailleurs, enfin, tous ceux qui sont arrivés, salut Nilia, et Madéville, et ce soir je vais probablement le finir, oui, car, oh là là, il y a eu plein de messages entre-temps, je n'avais pas vu, Bones, 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 Mr. Bones, bien sûr, puisqu'il va y avoir aussi des squelettes que vous allez voir. J'ai attendu la fin de la cinématique, c'est très gentil, merci beaucoup de ta discipline, Saïma. Moi j'ai trois sorties vidéo. J'en ai une troisième, mais je l'ai fait désactiver par Cabri parce que je m'en sers pas. Le RGB en fait. La sortie RGB de ma 3DO avait tendance à faire de la merde et surtout désactiver le S-Video. Je préfère sortir sur mes consoles les signaux d'origine. Donc le mode RGB il était bien mignon, mais il m'empêchait d'utiliser le S-Video. Du coup j'ai dit non. J'ai dit on enlève le mode RGB. Il y a toujours le câble qui pendouille, il faut que je le retire d'ailleurs. Qui pendouille à l'arrière de la console, mais clairement, à choisir entre les deux, je préfère mille fois avoir le port S-Video qui fonctionne que d'avoir le RGB. Faire ça, pas le mien. Bah, moi, c'est un truc un peu artisanal, c'était vendu par... c'est Fred Kitt qui me l'avait vendu sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son... C'est Kien Fred. C'est Kien Team, je crois, son nom sur Twitter, un truc comme ça. Je vais tester une fois pour capturer les trois en même temps, pour comparer. Bah, c'est... oui. Il y a toujours un câble qui pendouille, titre. Exactement. Et ça marchait. Bah en tout cas tu vois le S-Video et le Composite fonctionnent tous les deux en même temps aussi. J'ai aussi un mode pour mettre en 240p la 3DO au lieu de 480i. Faut savoir que la 3DO est une console qui sort en 240p de base. Beaucoup de ces jeux sortent en 240p de base. Mais il y a un petit chip vidéo à l'intérieur qui va récupérer le signal, l'intercepter quoi qu'il arrive, et sortir sur toutes les sorties du 480i quoi qu'il se passe. Soit du coup vous avez le mode comme moi j'ai. Et vous pouvez désactiver ce truc-là pour passer tous les jeux qui sont en 480p en 480p. Moi, je le fais pas pour ce jeu-là, parce que clairement, c'est un jeu qui bénéficie du 480i au niveau de la 3D, au niveau de la... Il faut pas que l'image soit trop sharp, parce que clairement, la 3D est pas belle. Donc, il vaut mieux cacher les problèmes. Et vu qu'il y a des FMV, merci Madéville, il faut absolument aussi que les FMV restent en 480i, parce que bordel, les FMV en 240p, c'est dégueulasse. Voilà, on parlait des FMV, d'ailleurs, hier, Mega CD à 64 couleurs. C'est assez triste. J'ai pu vérifier alors plein de choses. J'ai pu vérifier que Play for Keeps, c'était le mode aventure normal, linéaire, où vous finissez un niveau, vous passez au suivant. Mais si vous appuyez sur A ou C, vous passez tous les niveaux en revue et vous pouvez tous les essayer. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de finir un niveau pour l'essayer. On peut désactiver la musique, activer la musique, les sound effects, tous ces trucs-là, trucs assez classiques d'ailleurs. On peut rejouer l'intro à tout moment, mais là on va démarrer le jeu pour voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai eu peur, j'ai vu la piste musique de fond qui était désactivée, je me suis dit putain j'ai encore désactivé mon micro et tout ce que je viens de dire ils l'ont pas entendu. Et il y a quelques jeux qui merdouillent en 240p en effet en plus. En parlant de Catovision, j'ai une surprise qui mijote pour toi. En parlant de Catovision, j'ai une surprise. Ah ouais? Ça m'intéresse. Pour voir ce qu'il a dans le ventre, comme il y a. Il n'y a pas d'interférence entre l'une ou l'autre sortie quand elles sont toutes utilisées en même temps. Bah moi non, pour le composite et le S-Video, je sais pas si ta question était adressée à Madéville. Donc là vous voyez les petites goules qui apparaissent, c'est des trucs qui apparaissent random, ça vous prend jamais de vie,
Donc quelque part, on a peur au début, mais c'est un peu un effet un peu... Sur le coup, ça marche. Dans le premier niveau, moi, ça avait marché 2-3 fois. Puis après, j'ai vu qu'il bah, faisait pas de dégâts, du coup, ça marchait plus. Je vous avais expliqué, donc on voit pas mal de choses à l'écran sans qu'il y ait d'interface. On peut voir que l'arme, la barre rouge, c'est les tirs qu'on a de dispo. Donc si je tire, regardez, hop, ça descend. Et mon bras en dessous va m'indiquer l'énergie qu'il me reste. On peut voir aussi qu'on peut ramasser des clés et tout un tas d'items précieux aussi, qui vont rapporter du score à la fin des niveaux. Pendant les niveaux, à tout moment, on peut appuyer sur C pour afficher l'écran de statut. Je suis très content de la catovision par rapport à ce que rend réellement la console, c'est très très proche. Mais c'était branché en même temps, mais je switchais avec l'upscaler, donc pas en même temps quand je les teste. À part si l'upscaler active les trois en même temps et que j'ai les trois branchés. Je pense réellement que brancher les trois en même temps ou pas, c'est pareil. Hein. La bande de scan sur la capture ajoute à l'ambiance, je crois. La bande de scan, malheureusement, je peux pas la retirer, encore une fois. Je m'étais un peu enflammé hier en se disant que j'allais investir. Je pense réellement que vu le prix des appareils photo, il faudrait vraiment que je trouve un appareil photo genre pas cher du tout pour pouvoir le mettre. Mais le meilleur moyen de faire une catovision, c'est d'avoir un vrai appareil photo. J'en ai pas malheureusement à brancher là directement. Là on peut voir justement des objets qui vous permettent d'avoir un meilleur score, notamment les gemmes par terre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un petit tweet magique, c'est encore une fois le grand Dams du Zodiac. Je l'en remercierai jamais assez. Merci à tous pour vos tweets, hein, bien sûr, pour partager le stream. C'est très précieux. Encore une fois. Je vous aime. Ah oui, ça douille, ça douille. Ouais. Regarde Black... le beffroi bestial. À part si ton appareil est pile poil au même taux d'enrichissement. Bah, la cam que vous voyez là pour me filmer. Bonjour! Elle est... pile poil au bon rafraîchissement. Salut Dams. Et j'aurai plus de bande, j'ai plus de bande qui défile avec cette cam, sauf qu'elle est en 30 fps. C'est-à-dire que dès que je stream un jeu en 60, bah c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a des frames qui vont manquer. Ça va faire l'effet émulateur en plein milieu du jeu, c'est très très moche. Voilà, donc ça c'est un des premiers ennemis, vous voyez. Hop, on tire dessus, il meurt. C'est instant, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas vraiment beaucoup à réfléchir dans le jeu. Tout ce qu'on fait, c'est surtout explorer plus que réfléchir. Mais encore une fois, je trouve que le manoir est très cool à explorer. Hier, on a eu pas mal de petites surprises et de twists dans le level design. J'avais peur que le jeu soit tout le temps une succession de couloirs dans un grand grenier. Mais il n'en est rien. On évolue de salle en salle plus tard. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'énergie. Hein, comme, bah, d'ailleurs, comme indiqué dans l'écran ici, vous avez les items qui vous remettent chaque chose. Vous avez vu que mon pistolet est à 70. Et si je ramasse des petits sida, comme je les appelle, ça va me remettre de la force de feu. Ici, il y a la carte qui se forme au fur et à mesure que vous avancez, bien sûr, elle n'est pas tout de suite en entier. Là, tu dois capturer à 60 et la console doit être à 59,3. Et oui, mais ça, je peux pas le... Tu vois, c'est ça. Du coup, je peux pas le changer, en fait. Je peux pas dire à la webcam d'être en 59,3. Ça veut dire que mon autre webcam était à 30 quelque chose... à 29, quelque chose au lieu d'être à 30, alors, j'imagine. Normalement, ma console n'est pas à 59... Ah si, 59,93, oui, c'est ça. Donc voilà, on avance, on a les clés qu'il faut. Donc on ouvre les portes, et les clés ennemis sont juste derrière. Encore une fois, c'est un niveau de tuto, hein, ça. Les ennemis sont pas très, très vifs, sont pas très dangereux, en réalité. Donc ça se passe plutôt bien. On a perdu beaucoup de... Et là, on a les premières surprises du jeu. Donc le Hangman, perso, la première fois que je l'ai vu, moi j'ai flippé ma race, comme il faut. Après, c'est pas très, je pense que c'est pas très perturbant quand on joue pas. C'est plus perturbant si moi je l'avais. Moi je l'ai pas, hein, bien sûr. Moi je joue en regardant le Elgato là, actuellement. Salut Baboulouf, comment tu vas? Tu es sur le stream. C'est pas la première fois que tu viens ici? Hors raid. Ça fait plaisir de te voir là. Salut Quack Quack! Ah mais y a toute la commu quoi qui arrive d'un coup là. Et donc, bah salut quoi du coup. Ça gênerait plus si ça scintillait je pense. Oui c'est ça. Bah en fait en pâle ça scintille à mort. Dès que j'allume la télé sans avoir les réglages, j'ai le AV1 en haut de l'écran qui clignote, c'est insupportable. Je vais pas vous faire l'affront de vous le montrer mais c'est assez terrible. On a une nouvelle clé ici. Deux nouvelles clés même. Hop, un ennemi. Vous entendez aussi qu'il y a très peu de... C'est pas pub ici, c'est SE.
Il y a très peu de bruit, de son et de musique. Vous allez voir que les niveaux suivants vont être extrêmement généreux à ce niveau-là. Et il y en a même qui sont presque trop. Ça simule une sorte de folie dans le jeu. Là, c'est le deuxième grand couloir de ce niveau-là. On a le petit labyrinthe avec énormément de loot dedans. Je connais bien le premier niveau maintenant, ça fait deux fois que je le fais. Heureux à ce MO5. On a démarré le jeu, ça y est. Je démarre le jeu parce que là, ça fait trop longtemps que j'ai passé la découverte dessus. J'ai vraiment très hâte de vous refaire du Real Paper, comme je l'appelle. Vous connaissez le Real Hardware, vous connaissiez pas encore le Real Paper, mais sur la VOD, si vous voulez aller voir d'ailleurs. La VOD de ce jeu-là hier, donc vous pourrez voir déjà ma PLS, à quel point j'étais en PLS à la fin du stream quand je suis parti. J'étais en sueur, j'avais de la fièvre, j'avais une migraine terrible, et j'ai raid quelqu'un, je suis parti en vite fait. Et surtout, au début du stream, je vous ai montré un test de joystick et un test de génération 4, mais à génération 4, le joystick, pardon, était en Real Paper. Donc je vous ai filmé ça un peu à l'arrache avec ma caméra. Il me faudrait une caméra zénithale à l'avenir pour pouvoir vous filmer ça bien, quoi. Comme le maître céréalier. Le jeu est bien fluide, alors voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un demo maker Amiga, à qui l'on doit ce jeu de base, qui a rallié les rangs de la 3DO Company quand la 3DO est sortie. Parce qu'il a dit, voilà, je pense que la 3DO c'est l'avenir du jeu vidéo, machin, et je vais essayer de faire de la 3D du mieux possible. Effectivement, bah, quand on demande à un demo maker de faire de la 3D dans un jeu en général, ça réussit plutôt bien, hein. Ça fait des jolis jeux et des jeux très fluides. Et là, on a affaire à un jeu qui a de la 3D mais que pour les murs, et vous voyez que le sol et le plafond n'ont rien, n'ont pas du tout de relief. Et ça permet de soulager la console et d'afficher du FPS fluide là. On est en 60 FPS, du coup, je sais pas à combien est le jeu, il doit être à 30, mais constant. Et ça reste très agréable à regarder en fait. Je pense que la 3DO c'est l'avenir du jeu vidéo, et bon. Oui, t'étais pas bien hier. Tu aurais joué à Virtual Boy, on aurait compris, mais là non. Ah non, non, là c'était très violent. N'hésitez pas évidemment MO5 à rejoindre l'association. Qui œuvre à la préservation évidemment du patrimoine vidéoludique français, mais pas seulement, bien sûr, et qui fait pas mal de choses, notamment un projet MSX, de ce que j'ai cru voir. Alors, ce que vous avez entendu, c'est quand on reprend de l'énergie dans le jeu, ça m'arrive assez souvent parce que je joue plutôt bien, mais alors quand je reprends de l'énergie, ça fait un espèce de comme Tom Vokovat vous l'a écrit. Ça fait un peu cet effet-là. Faites attention, alors du coup, il y a un truc assez piégeux. Vous voyez ici qu'il y a une porte, une grande salle. Hein. Ici, il y a la porte de la grande salle, encore une fois. Donc, il y a deux portes. Donc, si vous voulez gâcher vos clés, vous pouvez ouvrir deux portes pour une seule salle. Mais il faut faire gaffe parce que plus tard dans le niveau, vous aurez peut-être besoin de la clé. Donc, ça risque de vous bloquer des accès. Faites gaffe à ça. Bah, j'ai plus de clé. Oui, j'en avais. Je suis dégoûté de... C'est sûr que j'avais des clés. Attends, mais je les ai pas chopées alors. On va regarder la carte. Est-ce que j'ai oublié des objets dans des... Non, j'ai rien oublié. Tout va bien. C'est vraiment agréable de voir cette catovision qui commence enfin à arriver. MSX3. Faites gaffe à vos clés. Oh bah j'ai plus de clés. Bah ouais, mais j'étais sûr que j'en avais. Bordel, je suis deg. Bon, je vais en rechercher. Mais c'est bizarre. J'ai peut-être oublié d'en prendre ici. Il y en avait. Ah, il y en a une là, d'accord, ok. Elles se confondent avec les murs parfois, c'est un peu gênant. Hein. Il y en avait deux ici, voilà. Bonjour. Donc, ne pas sortir en ouvrant la porte, bien sûr. Et ouvrons la porte donc de la nouvelle salle, ici. Ici encore, vous voyez deux portes, c'est deux portes de la même salle. Donc, ils ont vraiment mis bien le piège en évidence. Pour piéger les gens. Et que, dans les niveaux suivants, bien sûr, vous fassiez gaffe à ce que vous faites, quoi, quand vous explorez. Ils ont mis aussi beaucoup de portes. De Wolfenstein 3D sur 32 bits, ce jeu. Exactement. Il est très Wolfenstein 3D, puisque le mec qui l'a fait, donc le mec qui vient de la démo scène Amiga, est en train de faire le Wolfenstein, précisément Wolfenstein sur 3DO. Et au final, il est jamais sorti, il me semble, Wolfenstein. Doom est sorti, et pas Wolfenstein, si je me souviens bien. Et du coup, c'est intéressant de savoir que la 3DO Company ont mis fin au développement d'un Wolfenstein pour avoir au lancement de la console un jeu comme ça. Un jeu original qui reprend des éléments d'horreur et est fait par un mec, bah, une brute en 3D, quoi. Une brute en 3D. Je pense qu'il a dû se débrouiller comme il pouvait avec la 3DO, mais
ça reste une machine qui est pas idéale, je pense, pour la 3D. Même si elle a, elle a quand même démontré des gros des trucs assez classe, genre Crash and Burn. On en parlait hier avec quelqu'un qui avait acheté la 3DO pour Crash and Burn, qui avait revendu sa Super NES avec 150 jeux. Non, pas 150, mais je sais plus combien, c'était genre une cinquantaine de jeux, je crois. Et il avait acheté une 3DO avec Crash and Burn parce que ça l'avait séduit. Effectivement, les magazines en faisaient des tonnes sur la 3DO à l'époque. Surtout Crash and Burn. Et Need for Speed et Road Rash font partie des deux jeux aussi 3DO qui sont en 3D et qui sont très impressionnants. Voilà. Mais ils sont pas aussi fluides que celui-là. Ici, vous voyez une partie du... comment ça s'appelle ? Il faut récupérer des parties de... de talisman sacré. Donc ici, vous voyez une partie d'un talisman sacré que je dois récupérer. Donc je le... Et là, vous entendez le petit bruit qui vous dit, c'est bon. En gros, ça vous permet d'aller à la sortie et de sortir du niveau. Si vous n'avez pas le talisman, donc vous n'avez pas exploré le niveau à 100%, vous pouvez pas y aller. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit des bêtises ? Une grande salle. Hein. Ici, il y a la porte de la grande salle, encore une fois. Donc il y a deux portes. Donc si vous voulez gâcher vos clés, vous pouvez ouvrir deux portes pour une seule salle. Mais il faut faire gaffe parce que plus tard dans le niveau, vous aurez peut-être besoin de la clé. Donc ça risque de vous bloquer des accès. Faites gaffe à ça. J'ai plus de clé. Quel naze, c'est Haruno Taku. C'est terrible. Du coup, bah continuons. Où est-ce que je suis là ? Je suis parti. Ça, c'est le grand couloir, donc il est fini. Réalisé sans montage, c'est vrai. On dirait comme ça qu'il y a du montage, mais il n'y en a pas. Mais je suis maladroit, c'est pas nouveau. Alors attention à ces têtes de, ces espèces de têtes volantes, parce qu'elles, elles ont des, comme vous le voyez, hein, elles ont des projectiles. C'est assez terrible les projectiles qu'elles balancent. Espèce de verre putride et ça fait perdre. Ah, j'ai plus de balles. Voilà, donc là je viens de me refaire un petit peu une réserve de munitions et je peux tirer toujours au travers des, pas au travers des murs, mais au travers des objets. Alors, les objets n'ont pas d'existence physique dans ce jeu. Vous pouvez tirer au travers des objets 2D dans les niveaux. Par exemple, vous voyez, bah ouais, mais ça c'est un cadavre, ça, pas vraiment, mais. Vous voyez ce mannequin là ? S'il était au plein milieu d'une salle, je pourrais tirer dedans. S'il y avait un ennemi derrière, bah, il serait mort. Je vais toucher, je crois rien. Hop là, on avance. Alors lui c'est le boss. Lui c'est le boss. Vous voyez qu'il est habillé en bleu, il est habillé en marron. Et à force de lui tirer dessus, il va perdre de la vie. Et vous allez voir qu'il va passer en marron justement. Là il est marron. Et j'ai plus de balles parce que. Moi aussi je suis marron. C'est la merde. Et là, c'est la merde. Ah. Où il est ? Il est là. Et voilà. J'ai tué le boss de fin. Incroyable. Par contre, j'ai plus de balles. Je sais pas si je crois que d'un niveau à l'autre, on garde pas les choses, donc ça va. J'ai pas ouvert toutes les salles, je pense. Je vais voir sur la carte, du coup. J'entends parler du sida, il va passer par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi. Exactement. GG. Merci pour ton GG, Seima. Est-ce qu'il y a des salles que j'ai pas explorées ? Il y a plein de salles que j'ai pas explorées, on va s'en aller les explorer. Haruk est fini, hein, il est toujours malade, le pauvre. Vous voulez vraiment que je finisse ? Si vous voulez que je finisse le jeu, il aurait fallu que je finisse le niveau maintenant, mais... on va essayer de le finir. En vrai, je peux me lever un peu tard demain, c'est pas un problème. Donc là, vous voyez, hein, c'est un joli FPS, en vérité. Après, ce qui me file pas des clés, parce que je peux ouvrir plusieurs salles ? Je le demande. Parce que toutes les salles, j'ai l'impression de les avoir ouvertes. Les salles importantes, en tout cas. Ah, vous voyez, là, le rocking chair, la chaise à bascule, si je tire au travers et qu'il y a un ennemi derrière, l'ennemi meurt. C'est assez rigolo. Ça permet de faire des petites strats, notamment de bloquer les ennemis contre des objets. Ça marche plutôt bien. Le hangman. Non, mais j'ai tout fait, en fait. On va pouvoir aller à la sortie. On peut pas courir dans le jeu. Ah, mais je suis pas allé là. Moi, j'avais oublié cette salle. Dans laquelle il y a des bonus ou non ? Absolument aucun bonus. À part ma déception, mes larmes et ma tristesse. Ok. Je vais aller. Bon,
bah voilà, début du niveau, on y va. On va finir ce niveau et vous allez voir que les décors vont commencer à changer et les ennemis vont commencer à changer. Je crois peut-être pas au niveau suivant, mais au niveau d'après, ça devient les murs rouges. Et c'est là que j'ai eu ma migraine. Donc, peut-être que c'est le jeu. Ça serait drôle que ce soit les sons du jeu qui me refilent une migraine foudroyante. Restez jusqu'au bout, bien sûr, pour voir si la migraine revient et que ce jeu est hanté et me fait tomber malade systématiquement. Imagine. Il est toujours malade, le pauvre. Mais ça m'arrive de finir des jeux en stream arrêtés, quoi. La prochaine fois, je m'en fous, je vous ferai remarquer pendant une heure. Jumping Flash, déjà. Hop, exit. Niveau terminé. Oh, did I forget to tell you about that charming visitor who came before you? Poor fellow lost his head in an unfortunate accident. We haven't yet gotten rid of him entirely. Donc là, vous voyez déjà que le morceau de talisman a été mis dans le rond du talisman. En gros, vous voyez à peu près ce qui me manque pour finir le jeu. Il y a 12 niveaux, je crois. Là, il vient de dire « Oh, au fait, je vous ai pas parlé de notre ancien invité qui a perdu la tête ici. » On s'est pas encore débarrassé de tout le reste de tout ce qui reste de lui. Je trouvais ça assez amusant. Je sauvegarde pas parce que j'ai déjà une sauvegarde plus loin dans le jeu que j'ai pas utilisé volontairement pour vous remontrer le jeu justement de zéro. Bienvenue à tous les arrivants hein, d'ailleurs qui sont arrivés entre temps. Et vous voyez que dans ce niveau-là, les nouveaux éléments c'est les cadres qu'on n'avait pas avant. Et on commence dans un couloir et si on se retourne, premier truc qu'on a c'est la clé. On peut voir que le level design est déjà assez intéressant et on a déjà de la musique et une ambiance sonore qui change déjà. Vous avez un décalage du son vous aussi. Il y a une légende qui dit que ce jeu rend malade. Ensuite tu reçois un appel. Il y a personne, puis 7 jours plus tard, tu reçois un autre appel et quelque chose sort de ta 3DO. Un ghoul fantomatique sort de ta 3DO. C'est rigolo. Pas rigolo, c'est peut-être pas le mot. Il y a un décalage du son, non ? Validez votre compte CPF. Le fameux. Le fameux appel hanté qui serait un compte PCF, ça serait pas mal quand même. Ah, je peux aller là. Il y a un décalage du son, c'est insupportable, non? Vous l'avez aussi, vous? Salut Pisuke! Comment tu vas? J'espère que je suis venu à bout du... Attends. Le décalage m'a l'air encore là, je sais pas trop comment m'en débarrasser. Je sais pas si vous l'avez vous aussi. Un max de love pour Pisuke, bien sûr, Pisuke qui fait des streams de speedrun, notamment sur des jeux Game Boy. Game Boy. Alright. Là il y a une salle. Ouais, le décalage du son est toujours un peu présent. Donc là, je m'aventure un peu violemment dans la salle. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Et personne. Très bonne surprise. Ils sont là-bas, je pense. Je recharge un peu. Oh, je me suis fait toucher. Vilain! Je vais bientôt pouvoir streamer. Tous sont saouls. Mon frère Pokémon. Le vénard. Bah merci, mais toi un peu moins, j'ai cru comprendre. Non mais c'est hier que ça n'allait pas. Hier j'ai eu une crise de migraine sur ce jeu. Et rien à voir avec le level design ni quoi, je sais pas trop pourquoi. Ça me remet pas de la vie. Ça me remet d'accord. Ici on a un gramophone. Les gramophones qui ne servent à rien, tout ça c'est des décors bien sûr. C'est un peu dommage que ce soit que des décors d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'ils servent à quelque chose. Bzzz.
peux voir que ma portée est infinie sur mon arme d'ailleurs. Ce qui est plutôt cool. Là on revoit encore un cadre. Toujours les mêmes cadres avec les mêmes images. Hop. Et il y a aussi des miroirs cassés normalement, si je me souviens bien dans, dans ces niveaux-là. On va essayer d'en atteindre au moins un pour vous montrer. Est-ce qu'on a des têtes ici? Pas de tête. Ah, ils sont là-bas. Ah non. Il y en a encore. Hein. Ah, là vous voyez le miroir cassé. Donc ça a servi à rien ce que j'ai fait parce que c'était juste une salle avec des méchants mais ça allait quoi. C'est pas la merde. Hop là, on va passer dans la salle d'à côté, on va reprendre de l'armement. Pas besoin. Je croyais que j'en avais plus moi. Ça c'est une grande salle, mais je crois que ça c'est la salle de la fin, si je me trompe pas. Et le talisman est là-bas. On va aller chercher le talisman. Hâte de faire un niveau où je connais pas encore la, la topologie, mais ça arrive. C'est le prochain. On avait fait une grosse découverte hier, hein. On avait fait 2 heures de découverte parce qu'il y avait la presse qu'on avait lu. N'hésitez pas, hein, ça vaut le coup d'aller voir la VOD. De préférence sur Arion Otaku VOD. Ah, ici on a du score. On a des clés déjà et on a surtout des gemmes. Ça c'est cool parce que mon nom c'est Gemme. Et pour tous ceux que j'aime, mon nom c'est Gemme. C'est comme le film Poltergeist ce jeu. Alors moi, le souvenir que j'en ai de Poltergeist, j'ai vu que le 1 et le 3. Poltergeist, j'ai pas vu le 2. Jamais. Faut que je le voie d'ailleurs. Le 1, il a skip, c'était Steven Spielberg, de ce que j'ai compris. Quand j'étais petit, on l'a vu parce que c'était Steven Spielberg. Et on a acheté le 3 en VHS alors que c'était plus du tout lui. Qui avait, ça avait plus rien à voir avec l'œuvre de base. Et c'était une maison fabriquée sur un cimetière indien. Où il arrivait des trucs vraiment atroces avec Caroline, la petite fille de la famille. Et qu'il arrivait que des testicules. Tout le temps. C'était assez, assez terrible comme film, en fait, assez traumatisant. Par rapport à mon jeune âge, c'était assez assez dur à voir. Donc c'est pas Poltergeist. Poltergeist. Je suis déjà allé là, c'est pas là. Je struggle avec le level design qui est compliqué. C'est celle-là. Ah, mais du coup, j'ai ouvert la porte. Non. Allez-vous-en! Tu vois, je tire en dessous des bras, c'est insupportable. Ah, une clé. Bon, comme ça, moi je suis rentré, maintenant je peux aller ouvrir ailleurs. Je vais tirer dedans. Oh, j'ai perdu tellement de vie là. Alors, je sais pas si vous voyez le bras. Regardez le bras qui tient le pistolet, dans quel état il est. Je vous demande de vous arrêter! Exactement. Et du coup, ce bras, eh ben, il vous indique l'énergie. Vous voyez qu'il est un tout petit peu plus osseux que tout à l'heure. Boss, attaquez. Well done. Ah. Eh ben, dis donc. Vous êtes un peu nombreux, non? Moi, je trouve qu'il y a autant de tensions de combat que dans Wolfenstein pour le coup. Réellement. D'ailleurs que les gens qui le comparent à Wolfenstein ont parfaitement raison dans le sens où c'est presque une balle un ennemi au début, puis après on commence à utiliser plus de balles sur des ennemis. Mais c'est Doom par exemple, c'est pas comme ça. Doom c'est souvent pan 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 tu tues un mec. Alors que Wolfenstein c'était souvent pan un mec est mort, pan un mec est mort. C'est vraiment deux rythmes. Complètement différent. Ça va, vous êtes lâché là. Il y a du recul sur l'arme. On va récupérer. Quoi ? Là, vous voyez qu'il y a pas mal de monde. Thank you.
Attention, le petit A là. Ah, la salle du loot, mesdames, messieurs. Oh là là. Oh, cette salle du loot. Laisse tomber. Je loot comme un sale. Ça valait le coup d'y aller, hein. Ça valait le coup de lire un trait dedans. Hein. Je suis full pour l'arme. Est-ce que je suis full énergie? Je ne sais pas. Oui, je suis full tout. On peut y aller. Ah! Exactement. Ça fait pas très Jean-Claude Van Damme. Enfin, je me souviens pas que Van Damme avait vraiment un timbre comme ça, mais. Pourquoi pas? Donc la salle de loot s'est fait. Bah, je me suis trompé, du coup, je croyais que c'était la suite du niveau qui était là quand on avait le talisman. Et en fait, ni le talisman ni la suite du niveau ne sont là. Donc on va continuer. L'exploration. Là. Je suis pas allé là encore, hein, je crois. À moins que. Si, je suis allé là parce qu'il y a des cadavres. Les cadavres jonchent le sol. J'ai eu peur. Je croyais vraiment qu'il y avait un ennemi. Il y a qui passe des mauvais moments là, hein, j'ai l'impression. Ça, elle est immense. C'est pas là la suite. Je suis à deux doigts de regarder la carte, hein, quand même, parce que là, je dois bien avouer que je me sens un peu perdu. Oh là, 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 oh non, hein. On me la fait pas à moi, hein. Tu m'as pas fait peur, hein. J'ai dit que j'étais une flippette dans les jeux. Je peux vous le dire. Ah. Pam 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 pam. Donc voilà, c'est des petits jeux. C'est, en tout cas, c'est des jeux rigolos, moi je trouve, sur Tradeo ça. Des jeux que tu découvres complètement par hasard, que t'as jamais entendu. J'en avais jamais entendu parler de ce jeu parce que je disais pas de joystick et Génération 4, et c'est les deux seuls qui en ont parlé. Et ce qui était marrant, c'est que le test de ce jeu était à côté de Illusion of. Labyrinth of Time, pardon. Labyrinth of Time. Le jeu qu'on avait fait sur Amiga CD32, quand on avait fait une soirée Amiga CD32 émulation, souvenez-vous. C'était le fun. Une porte qui a claqué là. On va regarder où je suis. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il faut que j'aille là, ok, d'accord. Je vois pas du tout où je suis. Ça serait là la solution? Voilà, j'ai tiré pour rien. Ça serait là du coup. Parce que malheureusement, la presse console généraliste avait pas les moyens humains de suivre tout ce qui sortait. À 93, je suis d'accord. Ouais. 93, il y avait masse et masse de choses qui sont sorties. Et il y avait le meilleur comme le pire. Il y avait vraiment tout. Donc ça, c'est une salle où je suis pas encore allé, effectivement. Amiga CD32. Best écran d'os. Ah oui, il faut que j'en fasse une alerte de ça, d'ailleurs. Une alerte, un truc à acheter. Avec Twitch Chat, je peux en faire à l'infini. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de Trigger Fire. Parce que Trigger Fire, c'est moins bien que Twitch Chat. Twitch Chat, c'est incroyable. Si vous faites du stream, Twitch Chat, vous lui donnez un peu de sous, bien sûr. Parce qu'on n'est pas des bêtes, hein. Et on n'est pas chez Gumi ici, hein. On peut payer de temps en temps quand ça rend service pour gagner de l'argent. Simple échange de bons procédés, hein. J'ai envie de dire simple bon sens. Ah mais t'as cru que j'allais payer ? Voilà. Forcément quand tu gagnes de l'argent avec Twitch, si tu peux pas payer tes outils, c'est quelque part il y a un problème en toi. Mais bon. Twitch chat, très performant, ça vous permet de vous refaire des alertes ultra stylisées.
Et surtout, en fait, pas forcément stylisé, mais 100% libre. Vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. T'as pas besoin d'utiliser une charte graphique d'un site existant. Elle est actrice à côté. Hein. Elle joue la marâtre. Hein. Elle joue la radine. Hein. Ah, je me fais taper. Oh, je me fais tabasser. Mais d'où? Ah, mais c'était le bruit d'un gars, ça, non? Ah, il y a encore de la moue. Allez, go. Ri. Attention. Ah, le boss. Il y a du monde par ici. Ah, j'ai plus de balles. Les missions sont limitées, comme tu le vois justement. Baboulou, c'est un parfait exemple. J'ai plus de balles actuellement. C'est la petite barre rouge qui est au milieu de l'arme qui descend à force de tirer. Et il faut trouver des petits sidas pour remplir sa barre de ammo. Alors, je sais pas si j'en ai laissé sur la route. Voilà, voilà, là, là. Sur la route, j'aurais bien aimé qu'il y en ait là, mais il y en a pas. Mais il y a bien un endroit où il y a de la vie, non? Où il y a de l'amour. Oh là là, ça va m'embêter. Sachant que du coup, sans arme, on peut pas du tout se battre. Hein. Il y a même pas le choix de l'arme. Tu peux pas genre passer en mode ah bah je vais utiliser mes points. Non, tu peux pas. C'est un peu dommage. À moins que... Non, je pense pas. Hein. Ah, là-bas, il y en a. Ici, il y en a. Les cris sont sympas. Hein. Je trouve que l'ambiance sonore est très réussie. Allez, on fait demi-tour. Oh, j'ai oublié des gemmes ici. Oh là là, j'ai fait oublier du score. Faut oublier que le score est la chose la plus importante dans les jeux. Il y a une variété dans les décors au fil des niveaux, tu vas voir, ouais. Tu vas voir que le prochain niveau, on va avoir des murs rouges. J'ai spoil. Désolé. Oh là là. Ouais. Après, justement, en fait, c'est le manoir qu'on explore. Là, on est au grenier. Enfin, on est à la cave, pardon. Et après, on monte dans les étages du manoir et on arrive au grenier à la fin. Normalement. Alors, où suis-je? Pas du tout où il faut. Demi-tour. voilà. Déjà au grenier? C'est pas le grenier, ça? C'est pas le grenier, ça? C'est bien la bibliothèque, hein, je trouve, quand même. Niveau attique, grenier démoniaque. Ah d'accord, mais c'est bizarre, alors. Je pensais qu'on commençait par le bas du manoir et qu'on allait vers le haut. J'ai dû me tromper, alors. Bon, faut pas oublier qu'on a laissé un boss se balader dans la nature, donc il peut être là à tout moment. Hein. Vous vous souvenez hein, qu'on l'a laissé vivre sa vie. J'ai pas de clé. Arrêtez la comédie là, arrêtez le boubou s'il vous plaît. Ah bah tiens. On va aller là-bas. On peut dire donc qu'actuellement tu es un joueur du grenier. C'est marrant que le joueur du grenier parle pas de ces jeux-là sur 3DO. Il a fait une vidéo 3DO, je me souviens pas. Il a fait des vidéos, je crois qu'il fait des vidéos thématiques, il fait pas des vidéos par console, de ce que j'ai compris. La dernière fois que je l'ai vu faire des vidéos, c'était plus les jeux FMV, les jeux ceci, les jeux cela. Du coup, ça fait des thématiques un peu vagues, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'il traite les consoles une par une.
Donc là, vous voyez, vous allez me dire, ah bah c'est cool, t'es à la fin. Mais pas du tout, en fait. Parce que là, si j'essaie d'aller à la fin, le jeu va me dire, ah, mais tu n'as pas le talisman, bâtard. Donc voilà. Et là, il faut que je rouvre la carte pour aller chercher le talisman. Enfin, je crois qu'il, je crois pas qu'il est couvert. Ouais. Parce que je pense que c'est compliqué à avoir une 3DO, en vrai. Moi, en fait, ce qui commence à me plaire, ce qui me plaît réellement, en fait, c'est de me dire que tous ces gens-là... Enfin, tous ces gens, j'ai rien contre eux, encore une fois, j'ai rien contre le joueur du grenier, j'ai rien contre Edouard, j'ai rien contre tout ça, mais ils couvriront jamais les consoles obscures parce qu'elles sont pas... C'est pas une question d'argent pour les avoir. Enfin, je pense plutôt à Tev, en l'occurrence, là. Mais je pense à tous ces gens, vous savez, qui ont beaucoup de pognon et qui couvrent le rétro parce que ça marche. Eh ben, ils pourront pas le faire, parce qu'en fait, la Playdia, ça devient de plus en plus dur à acheter, même. C'est vraiment plus une question d'argent, maintenant. Maintenant, c'est une question de vraiment rareté, quoi. Et ça, ça me plaît. La PCFX, la Virtual Boy. Virtual Boy, on en trouve de moins en moins pas HS, quoi. Ça, c'est cool. Ça veut dire que la rareté est vraiment un vrai facteur qui change la disponibilité, quoi. C'est ça qui me plaît. J'ai vraiment pas de clé, quoi. J'avais trop copain avec Luisan pour que je le regarde. Mais t'es pas le seul à dire que Luisan est un imposteur, c'est marrant. BJ a dit pareil. Du coup, faut que je revienne en arrière. Genre, je revienne low. Et... J'aille ici. Je suis pas allé encore. Oui. Attends, je suis pas encore allé. Ah, la clé. Et les petits tokens. Il y a que Cabri qui a de plus en plus de matière à streamer. Oui, la PS5, j'ai vu qu'il streamait pas mal de la PS5 en ce moment. Mais j'ai pas le temps d'y aller, c'est chaud. C'est terrible. En ce moment, c'est terrible. J'aimerais vraiment avoir du temps. Et j'en ai pas. Ici, il y a une porte. Oh non, le gâchis. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai perdu la clé. Oh, je suis deg. J'aurais pas dû ouvrir cette porte-là. Oh non. Oh non. Oh là là, il faut revenir loin dans le niveau maintenant. Je suis dégoûté. Faut pas que j'aille par là en tout cas. Il faut que je retourne. Putain, loin, loin, loin. Maintenant. C'est relou. Le gâchis of Ken. Le gâchis of Ken. Ils sont non fongibles les tokens. Oui, il a littéralement. Posé pour les pubs des couteaux de son baron. Qui ça? Le sujet qui fait mal, c'est surtout le fils d'un escroc. Ah, je connaissais pas cette partie-là. Je connaissais Tev tellement depuis plus longtemps que Luisan. Ouais, ouais, mais Tev, il était enfin, il fait des trucs bien, hein. Je dis pas qu'il fait des trucs mal. C'est juste que j'ai peur de ce qu'il fait avec le rétro gaming en ce moment. Ça me dérange pas qu'il fasse ce qu'il veut. Tant qu'il a de l'argent, de toute façon, il achète ce qu'il veut. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je vais sur Bailly et que j'achète des trucs, je peux pas dire oh là là, faut arrêter de piller le Japon, il y a que moi qui ai le droit de le faire. Alors que bon, qui suis-je, tu vois. Mais c'est vrai que Teb, lui, là, son ouverture de musée et ces trucs-là, c'est pas réjouissant. Quoi. Alors attends. Je suis où là? Ah voilà, c'est là la suite. Pas la suite. En fait, faut que je revienne en arrière beaucoup. Oh non, c'est pas là qu'il fallait que j'aille non plus. Ok. Ah bah, il y a une clé là. Donc c'est bien en fait. Collègue de cadavres. Et ouais. Ça, c'est tout à l'heure quand je les ai tués, il y en avait beaucoup trop. Après, c'est une sorte de nettoyage quoi. Je vais pas m'étendre sur le sujet, sinon je vais devenir. Politiquement incorrect. C'est clairement un level design qui, en vue intérieure, est très dur à lire. Ça, en tout cas, il n'y a aucun doute à ce sujet.
Donc ça, c'est la porte que j'aurais pas dû ouvrir. Et ça, c'est l'autre porte. Donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Maintenant que j'ai la clé, je peux aller là. Toutes les clés ouvrent toutes les portes, hein, pour information. Ah ! Je trompe même deux fois de bouton. C'est parfait. Le talisman serait là. Ce serait bien. Je me suis fait toucher salement, hein, parce que vous voyez que mon bras est bien amoché. Ah ouais, il est là. La fameuse sale chicane. Vous voyez la lumière au bout du tunnel là-bas ? Je sens qu'il y a de la, il y a de la torture hein, quand même dans ce, cet endroit. Ah oui, en parlant de rame, bordel de merde. Je vais faire du drama, je suis désolé, hein. C'est pas du tout pour qu'il y ait plus de monde sur le stream. Mais il y a le maître céréalier qui a vomi sur la Saturne pendant tout un stream. Parce qu'apparemment, bah, quand une console est mal émulée sur sa merde, tout d'un coup ça devient une console de merde. Et il a parlé d'historique en gros de Sega et de la 32X et de la Saturne et de tout ça. Et c'était à gerber évidemment son avis. Et à un moment dans le chat, quelqu'un a dit « Mais à quoi il servait ce port cartouche alors s'il servait pas à jouer au jeu Mega Drive ?» Déjà la question à la cour. Hein. Et il a dit, ça servait qu'aux sauvegardes, ça servait qu'à mettre les cartes mémoire, ça servait qu'à ça. Et c'était dur à supporter, réellement. Parce que moi j'ai pas envie de follow en fait, j'ai pas envie de répondre. Parce que quand je réponds déjà il me ghost, mais n'empêche, il faut forcément follow pour... Alors, le chat uniquement réservé aux followers, ça me donne envie de gerber déjà. Dans tous les streams, où que ce soit. Je préfère encore me taper des spams que ça. Et dire des énormités pareilles, c'est chiant, quoi. C'est vraiment très chiant. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient, hein, à ce qu'il dit, quoi. Cette salle est hallucinante, vous allez voir. Hein. C'est la salle des miroirs et des tableaux. Je la trouve extrêmement classe. Là, on commence à arriver dans des salles vraiment intéressantes du jeu. C'est un peu dommage qu'au début, il n'y ait pas des salles très sympatoches. Regardez, les mecs, faut dire que là, franchement, vous faites pas d'efforts, quoi. Démerdez-vous avec vos Recalbox. Il y a tous les fichiers texte, il y a le wiki. Me faites pas chier. Eh oui. Je pense qu'il faut vraiment pas le faire chier. Je pense que... Il faut vraiment que j'arrive à me barrer. Faut que j'arrête les observations malsaines de son stream, parce que à chaque fois je suis retourné par tant d'incompétence. Ah, j'ai la deuxième, vous avez vu ça, c'est la deuxième je vais y arriver à me souvenir du nom, le talisman, deuxième talisman, ça me donne des super sons. Oui, c'est sûr, Saturne, la goutte clairement. Et du coup, bah, quelqu'un dans le chat, quand même, au bout de bien 10 minutes après, a dit le port cartouche, c'est aussi pour la RAM. Il a lu, il a fait ah, le port cartouche, c'est aussi pour la RAM, c'est vrai. Au lieu de dire, j'ai fait une erreur tout à l'heure, parce que moi, à chaque fois que je fais une erreur, je sais pas si vous suivez souvent mon stream, mais c'est souvent ce que je fais, quoi. Je fais ah, erratum, on arrête 3 minutes. J'ai dit de la merde tout à l'heure, je tenais à m'en excuser. Note de service, j'ai dit tout à l'heure ça, c'est pas vrai. C'est pas très compliqué hein, en plus hein, de faire ça. Faut juste avoir un minimum d'amour propre et un minimum de je fournis du bon contenu à mes viewers. Quoi. Mais ça, il l'a pas. Qu'un frame skip de 3. Non, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il commence à dire des trucs où sa commu est complètement... Des fois, vraiment, il y a une partie de sa commu qui est assez conne pour ça. Mais des fois il dit oui surtout qu'un P4 ça suffit pour faire tourner cette console là, la 64 et la Saturn 2D. Mais du coup il y a des gens qui imaginent qu'il y a une Saturn 2D et une Saturn 3D, tu sais. J'en suis sûr. Et quand il dit la 64, bordel, mais il faut vraiment. Et l'autre fois il y a quelqu'un qui lui a proposé de mettre un émulateur Xbox 360 dans la Recalbox, alors déjà bonjour. Et il a dit, oui mais tu sais, si ça marche pas avec tous les jeux et s'il y a une liste de compatibilité avec des problèmes, bah nous on préfère pas l'intégrer quoi. Et les gars,
Si vous suivez cette consigne, il n'y a pas d'émulateur Nintendo 64 sur Recalbox, quoi. Il y a quand même un minimum si vous voulez être strict, quoi. Vous pouvez pas mettre la 64 dedans. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Voilà. Il y a des sujets comme ça qui reviennent à chaque stream. D'ailleurs, faudrait pas, parce que ça lui amène trop de... d'attention. Alors, on fait la carte. La carte PDM. Carte PDM, c'est quoi ? Et la Saturn 64 3D. Qu'est-ce que t'en fais de la Saturn 64 3D, hein ? Ah, il est méchant. Ah, il est méchant. Est-ce qu'il y a un token ? Bonjour, je viens chercher l'argent. Et encore une clé. Ça s'arrête jamais. On va arriver enfin au niveau où j'ai arrêté le stream la dernière fois, donc c'est cool, on va découvrir des nouvelles choses pour ceux qui étaient là déjà la dernière fois. Merci à tous d'être patients et d'être là, malgré le fait que vous ayez déjà vu ce jeu d'ailleurs. La Saturn 2D quoi. Parce que l'amour propre en termes d'ego, il n'en manque pas. L'amour propre en termes d'ego, alors ça, c'est une forme qui est très compliquée. L'amour propre bien placé, oui, d'accord. Donc là, vous voyez. Remember, mortal, you are trespassing on these floors. Soon, evil spirits and multitudes of the undead will block your path. La Saturne est nulle. Ah! C'est dommage, Mardios, je t'avais jamais banni. Et là, tu me donnes. Tu me feed pour te ban. C'est triste quand même. Merci, merci beaucoup Floyoshi du coup pour ton tweet. J'avais pas vu. Merci grandement. C'est reparti sur un jeu Panasonic 3DO. Donc voilà, j'ai fini le deuxième niveau et on arrive normalement dans un niveau un peu plus sympathique à regarder. J'ai eu un score pas mal et il y a le deuxième talisman qui est sur l'écran, comme vous le voyez, sur le rond. Et c'est parti. C'est parti. Trop tard. C'est dire s'il a dû connaître la machine. Tread carefully now. Je pense que ça me prend une 3DO, il y a un cache qui l'avance 170 version Jap, mais pas de jeu. 170 version Jap, pas de jeu, c'est laquelle ? Est-ce que c'est la FZ10 ? Est-ce que c'est celle-là ? Est-ce que c'est celle-ci ? Si c'est celle-ci, 170€ en loose avec les câbles, une manette, mais pas de jeu, ça va. C'est cher, mais ça va. Pour un prix cash, c'est bien, honnêtement. Maintenant, il faut que ça soit celle-là. Tread carefully now. C'est dans la musique, le tread carefully now. Fatels avait mal à son cul. Il n'avait pas trop envie de rapport, du coup, il a fait le coup de la panne à Sonic. La panne à Sonic, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je suis vraiment trop vif ce soir. Donc là, tu vois qu'il y a des nouveaux décors, Babouloof. D'ailleurs, tu me demandais, il y a des nouveaux décors. Et il y a ces fameux nouveaux aussi. C'est un Gold Star, celui. Ah oui, c'est un Gold Star, tu pourras pas jouer les jeux gravés. Non, c'est pas celle-là, c'est une version lecteur à tiroir. Ouais, d'accord, donc c'est une Gold Star. Donc, ouais, tu pourras pas lire les jeux gravés. Si c'est ça, je crois. Du coup, on voit que quand on change de niveau, on a des nouveaux murs. Et on a aussi des nouveaux objets dans les décors. C'est vraiment très marrant, je trouve. J'ai beaucoup marré. Hop là. Et là, les portes, je crois qu'elles sont même pas fermées à clé. Si, j'ai ramassé une clé déjà. Nouveaux ennemis, fantômes. Ils sont juste plus rapides à se déplacer et ils tournent sur eux-mêmes. Donc ils ont un effet un peu stroboscopique désagréable. Enfin, ça les rend un peu plus gênants, quoi. C'est là que j'ai eu ma migraine, hein. Attention. J'espère que je vais pas en avoir une. Cela dit, les sons deviennent vraiment très désagréables, là. Carefully.
La musique, c'est volontaire. La musique, elle met de plus en plus mal à l'aise, plus on avance dans le jeu. C'est normal. Décalité. On va ramasser les trucs. C'est quoi ça? C'est un ennemi? Ah non, ça, c'est la cheminée. C'est vrai. La FZ1 de Panasonic. Elle est japonaise, celle-là? Elle lit les jeux gravés, non, la FZ1, Madeville. Après, le son est un peu fort, donc là. C'est que la Gold Star qui lit pas les jeux gravés, il me semble. Bah voilà, du coup, une FZ1, ça vaut le coup, mais 170, c'est cher pour une FZ1, du coup. Même si elle est jolie, après, elle est emblématique. Par contre, ça tombe tiroir, c'est fragile, c'est ça. Elle est fragile, du coup, j'espère qu'elle tombera pas en panne à cause du tiroir. Mais elle est emblématique, visuellement, c'est clairement la 3DO, quoi. Quand on montre une 3DO en illustrant, c'est la FZ1 qu'on montre, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer ce soir. Par contre, il m'a pas filé de clé de rechange, donc j'ai utilisé une clé sur une porte, j'aurais peut-être pas dû, là. C'est moi où les ennemis reviennent à l'infini, ou quoi? Donc là, ça y est, là on arrive à l'endroit où j'ai clairement arrêté de jouer. Alors. Ça devient dur de se repérer là. Ah d'accord, sur le Catovision, vous le voyez un peu mieux le jeu. Là, c'est très sombre. Je vois. Ah, les fameuses têtes. Elles font mal. Les têtes, pour moi, c'est les pires ennemis du jeu parce qu'elles sont extrêmement rapides et elles tirent. Migraine, c'est peut-être le petit FOV. Ça me faisait la même chose dans Doom 32X à l'époque. Après une heure. Ah, d'accord. Au pire, quand j'irai, je t'enverrai la photo, donc à prendre. Oui, pour moi, elle est à prendre, quoi qu'il arrive. Une 3DO à 170, ça va. C'est... Je pense pas que tu sois à 20€ près, tu sais. Pour 20€, tu réfléchis pas tant que ça, tu sais. Surtout que c'est un cash converteur, ils ont des frais, ils ont plein de trucs, tu vois, c'est... Ils l'ont reprise, ils l'ont forcément reprise bien, sinon... le mec aurait pas revendu sa 3DO, tout le monde sait combien ça coûte une 3DO environ. Donc à mon avis, ils vont pas faire énormément dessus, ils sont juste contents de l'avoir parce que c'est prestigieux, quoi. Et s'ils ont pas de jeu, par contre, c'est con. Tu vas devoir les graver tous, quoi. C'est pas grave. Après, sur Bailly, il y a des putains de jeux 3DO. Les jeux japonais sur Bailly en 3DO, c'est ultra intéressant. T'as du Samurai Shodown, du Street Fighter à que dalle. Au prix japonais, quoi. C'est 30€, 35, quoi. Grand max. Après, prends-la si c'est pour y jouer, Yoshi. Ouais, c'est pour y jouer. Toi qui avais peur de faire moins d'obscur, c'est vrai que ça marche. C'est vrai que c'est obscur. Après, là, ce que vous voyez, vous, c'est plus clair que moi. Hein. Moi, je suis vraiment en train de me défoncer les yeux. C'est pour dire j'ai une 3DO, peut-être pas la peine. Bah si, ça peut... En tout cas, c'est la 3DO emblématique, comme je l'avais déjà dit. Je trouve ça cool. Et limite, moi, j'aimerais bien avoir une FZ1. Alors, idéalement, ce qui serait incroyable, c'est la FZ1 avec le Switch à l'arrière que Cabri, là, d'ailleurs. La FZ1 avec le Switch 240p 480i à l'arrière de la console. Je trouve ça super intéressant. Il y a des jeux 3DO exclus qui valent le coup, qui ne sont pas ressortis sur les consoles récentes. Sur les consoles récentes, il y en a plein, il y a celui-là. En vrai, il y a la meilleure version de Mega Race sur 3DO. Il y a une des meilleures versions de Flashback, à mon sens. Il y a Road Rash, qui a une version exclusive qui est pas du tout comme sur PlayStation. Need for Speed, pareil. Ah non, c'est Need for Speed, pardon, qui a une version spéciale. Par rapport à la version PlayStation. Et Road Rash, qui est très très bon. Il y a Crash and Burn, qui est pas ressorti, mais après faut aimer, c'est spécial. Meilleur portage de Street 2X aussi. Mais c'est ressorti en mieux, hein, Street 2X. Pour jouer à certains jeux, c'est cool quand même. Puis il y a Dr. Hauser qui est jamais ressorti et qui est un morceau d'histoire du jeu vidéo. Après, moi je me suis éclaté à le faire en stream. Hein. Quand vous m'avez vu y jouer, j'étais content. Je faisais pas l'animation pour le stream. L'animation parce que je me trouvais cool le jeu. Réellement, je le trouvais cool. Ce niveau, il est très linéaire. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de possibilités pour le faire. Alors là, on a une porte qui mène à une porte.
Ah ouais. Ils m'ont emmené dans un coin pour rien. Très bien. Hit DX a eu beaucoup d'adaptations depuis sur des consoles plus récentes, ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire du coup. Street Fighter Collection par exemple, je crois sur PlayStation 3 ou un truc dans le style. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais Street Fighter Collection, il a tous les meilleurs. Quoi. Mais la 3D aussi, si, il y a des jeux cool, hein, vraiment. Après, ça dépend ce que tu cherches, quoi. Quoi qu'à chaque fois qu'on te dit qu'il y a un jeu cool exclu sur une console, tu dis que t'aimes pas, donc. Il faut que tu saches ce que tu veux exactement. Doctor Razor, ouais, c'était bien marrant. Sauf le boss de fin. Ah, le boss de fin, c'était triste. C'est pas qu'on s'était pas marré, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le tuer beaucoup plus facilement que ce que j'ai fait. En vrai, c'était vraiment le pic de difficulté de boss de fin. Le Dr. Hauser, je le referai, je pense. Maintenant que j'ai ressorti la 3DO, il y a moyen de le refaire. Je suis déjà allé là. Hein. Attends, je vais regarder la map. Où suis-je? Je vois pas mon perso. En même temps, t'es pas un streamer animateur. Hein. Fais ce qui te plaît, pas comme si tu faisais des jeux pour faire le show et pour faire des OPSP parce que vous êtes une commu en or. Ce qui me fait un peu de peine, c'est les gens qui font des trucs Red Shadow Legends en mode je suis obligé de le faire. J'ai rien contre Red Shadow Legends et j'ai rien contre Ario Brady, mais c'est vrai que faire une OPSP sur Red Shadow Legends juste parce qu'elle est dispo, je trouve ça chelou en fait. Et que ta grand-mère, ta mère ou ton père vont télécharger Red Shadow Legends pour t'aider, je trouve ça pas bizarre, mais je trouve ça pas très utile parce que bah, c'est de l'argent faussement gagné quoi. C'est des OP faussement réussis en tout cas, je préfère ça. Enfin, dire ça que de l'argent, c'est pas vraiment de l'argent vraiment faussement gagné. Mais... bien sûr, rien ne dit que je vais aimer déjà avoir une idée de ce qui existe, ça peut m'aiguiller. Bah écoute, c'est ce qu'on va faire, on va juste regarder pendant un petit instant ce qu'il y a comme exclu 3DO. List of 3DO game. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, on va les regarder tous un par un. Et je pense que tu verras. Déjà, il y a D avec la meilleure qualité vidéo qui existe. Alors, on a un jeu de Shogi, Alone in the Dark 1 et 2, c'est pas intéressant, Another World il est mieux sur les dernières éditions, Autobahn Tokyo, je sais pas trop ce que ça donne, Ball Z c'est nul, Battle Chess c'est pas bien, Battle Pinball, BC Racers, BC Racers, le jeu que je pense, il est sorti sur Mega CD et il est sorti sur 3DO, ah il faut que je le voie lui, parce que sur Mega CD il est pas très très beau, sur 3DO il doit être incroyablement plus joli non? Putain attends ça m'intéresse, BC Racers 3DO. 3DOI. Mega CD. Ah, les gens sont pas au courant qu'il est sorti sur 3DO manifestement. 2X. Vous reconnaissez la musique de Rage Racers. Ah, c'est le même que sur 32X quoi. Dommage. Voilà, il y a BC Racers qui est rigolo, c'est un jeu à la Mario Kart, mais c'est pas ouf, ça ne plaira pas. Brain Dead 13, qui est sorti que sur CDI et 3DO, qui est un excellent Dragon Slayer-like. Je vois qu'il y a... Le voilà bien déclenché. Ah putain, faut se mettre en vue web, je suis désolé. Quel con. BC Racers, ça ressemble à ça, du coup. Ça ressemble à la version 32X, pardon, désolé pour la scène. Et du coup, les jeux que j'ai vus, ils étaient pas intéressants jusqu'ici, en vrai. Armageddon est sorti sur 3DO? Non, il est pas sorti, on est d'accord, il a été cancel. Hein. C'est pas le Armageddon que je pense, hein, je pense. Ballsy, c'est pas bien, Battle Chess, c'est pas bien, Battle Sports, c'est pas cool, PC Racer, voilà, on sait qu'il est sorti, mais c'est pas intéressant. Brain Dead 13, c'est un excellent Dragon Slayer-like. Je sais pas si t'aimes les Dragon Slayer-like, quoi, mais il est excellent. Il est vraiment plus facile que Dragon Slayer, plus logique, et les inputs ont plus de temps pour être joué. Brain Dead est très très cool et puis graphiquement il est très très beau, vraiment. Il y a Bust Move qui est sorti mais qui existe aussi sur Neo CD et Neo Geo. Casper qui est la meilleure version avec la version PlayStation et Saturn, ils sont très très bons.
Club 3D, on s'en fout. Corpse Killer, c'est la meilleure version de Corpse Killer, qui est un FMV rail shooter. Il y a aussi. J'ai déclenché Pisuku. Il existe sur PC, Bandit 13. Oui, bah, et je pense que Quack Quack ne parle pas de la version PC. Il joue pas sur PC, Quack Quack. Il y a Crayon Shin-chan, qui est très rare, mais qui est pas très bien. Rachel Burn, comme je t'avais déjà dit. Donc Creature Shock, une des meilleures versions avec la version CDI aussi, qui existe. Siberia, c'est pas un très bon jeu. D, meilleure version de D qui existe. Avec des vidéos meilleures que sur PlayStation et sur Saturn. Demolition Man, j'y ai pas joué, mais c'est vrai que quelqu'un est passé l'autre fois avec un Demolition Man pour en parler, c'était assez rigolo. Il y a beaucoup de jeux 3DO en fait. Escape from Monster Manor, donc celui que je suis en train de faire. Family Food. Flashback Quest for Identity, celui-là est vraiment très bon sur 3DO. C'est la meilleure version CD, je pense, vraiment. Jex, c'est pas mal, mais qui est dispo ailleurs. En jeu pas dispo ailleurs, il n'y en a pas tant que ça en fait. Jolly Bazookaton est dispo ailleurs. Jurassic Park Interactive, on l'avait vu, il est assez spécial. On avait fait sur Saturn D. Non, on l'avait fait sur 3DO D. Ou alors on l'a fait. Non, on l'a fait sur Saturn, tu as raison. On l'a fait sur Saturn dans la son CD d'ailleurs. Et depuis, je l'ai eu sur 3DO. Juste dans un lot en fait. Lost Eden qui est incroyable, aussi bien que sur CDI. C'est un. Ah oui, Jolly Bazookaton évidemment, c'est avant tout Only You, bien sûr. Il y a Mad Dog McCree et Mad Dog McCree 2, bien d'ailleurs. Et tu l'as déjà sur CDI maintenant. Lost Eden, c'est un FMV mélangé avec du stratégie gestion de territoire qui est plutôt cool, vraiment. Lucian's Quest, qui est un RPG qui n'est sorti que sur 3DO. Et sur Play, non ? Il est sorti sur Play, mais je crois qu'il est sorti que sur 3DO. Mega Race, qui est la meilleure version devant toutes les autres, puisqu'il n'est pas sorti sur CDI. Microcosm, qui est une excellente version du jeu, Myst, une excellente version du jeu, encore une fois pas dispo ailleurs. Hein. Night Trap, meilleure version pour la qualité vidéo du jeu. Mais Night Trap, c'est pas très bien. Panzer General, PGA Tour, Poued, qui est un FPS super cool. Lost Eden, quoi qu'il peut kiffer Lost Eden, hein, vraiment. Lost Eden, c'est un jeu pour toi, quoi, vraiment. Police Note, qui est la même version que sur PlayStation et sur Saturn, à peu près. 3DO et Saturn Museum, d'accord. La meilleure version de Primal Rage, sur 3DO et sur PlayStation et sur Saturn, pareil, et il se fait aussi ailleurs. Put Put Ghost to the Moon. Pyramid Intruder, je sais toujours pas ce que c'est, mais je crois que c'est le... C'est le jeu de... Non, c'est pas le jeu de... Dungeon Crawler que j'ai acheté. Il y a un jeu Sailor Moon, déjà. Il y a un jeu Sailor Moon. Rise of the Robot, qui est nul. Need for Speed, qui est très très bon, du coup. Samurai Shodown, qui est une des meilleures conversions avec Street Fighter. Shower Shark, meilleure qualité vidéo pour un très bon jeu FMV de vaisseau, que moi j'adore, perso. Shockwave, Short Warp, Slam and Jam 95, c'est rigolo, c'est un jeu de basket avec beaucoup de sprite scaling, c'est plutôt classe. Space Ace, très bonne qualité vidéo, pas la meilleure parce que sur CDI c'est mieux. Space Hulk, Vengeance of the Blood Angel, la meilleure version avec la version PlayStation qui est à peu près la même. Star Control 2, Starblade. Starblade, c'est la version arcade identique. Niveau qualité vidéo, c'est assez incroyable. Et voilà, Super Street Fighter 2 Turbo, meilleure version. Un 100% sur Patank. C'est quoi Patank? Je connais pas du tout. J'ai regardé la qualité des vidéos Night Trap sur la nouvelle édition ressortie il y a un certain temps, c'est vachement propre. Je me demande à partir de quel support ça a été pris, aucun artefact de compression, rien. Bah à l'époque, on pouvait sortir un laserdisc de n'importe quel Panavision. Donc si ça devait être tourné en Panavision, parce que c'était le truc le plus répandu de l'époque. Et derrière, bah tu le sors sur laserdisc par exemple, c'est de très bonne qualité. Hein. C'est un jeu de flipper, on t'incarne la... Ah c'est celui-là, c'est pas Tank. Quel enfer. Supreme Warrior, jeu sorti uniquement sur Mega CD, mais meilleure qualité vidéo sur 3DO. Syndicate, excellente conversion, probablement la meilleure conversion, je crois qu'il n'est pas sur PlayStation, Syndicate. S'il est sur PlayStation, ça va être le même, je pense. The Horde, qui est une des meilleures versions aussi. Je crois que la Horde n'est pas sortie sur PlayStation, si je ne me trompe pas. Du coup, ça la rend disponible que sur 3DO et avec la meilleure qualité vidéo. Parce que la Saturn a de mauvaises vidéos. The Tower, qui est super cool, mais qui existe sur PlayStation aussi, je crois. C'est l'enfer, pas tant que, bien sûr. Total Eclipse... Après, je vois pas trop, il y a Ultraman qui est spécial et exclusif. Et surtout, il y a Sailor Moon, comme a dit Seima. Il y a un jeu Sailor Moon.
sais pas ce qu'il vaut. Ah ouais, dit le mot stratégie, ça risque de ne pas matcher. Ah. J'ai vu un Hello Gay en bas. Attends, je cherche juste Sailor Moon. J'aimerais bien savoir s'il a un sous-titre, comme ça on peut le chercher. Y a pas Sailor Moon. Je le vois pas là. Ah, ou alors c'est quelque chose Sailor Moon. Fais chier. Ah, y'a Wing Commander aussi, si t'es fan de Wing Commander. Il est super cool sur 3DO. Les meilleures versions de Wing Commander, parce que les versions PC étaient moins bonnes. Ça, c'est peut-être Sailor Moon, non? Kamashi's Museum, je sais pas ce que c'est. Ah si, Wolfenstein 3D est sorti sur, sur 3DO. J'ai rien dit alors. J'avais pas vu ça. 3D Atlas. Après, il y a des non-games, putain. J'ai pas grand-chose de non-game. Bishoujo Sailor Moon. Ah d'accord, bah c'est passé du coup. Pretty Sailor. Ah, c'est où? Pretty Sailor Sailor Moon S. À quoi il ressemble le Sailor Moon là? C'est un jeu de bagarre apparemment. Putain, la console était bien morte. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, il y a du scaling et tout, c'est pas mal du tout. Hein. Sailor Venus. C'est le même que sur SNES, mais en mieux. Ouais, avec du scale, quoi. Yu Yu Hakusho. Sympa, mais si t'aimes pas les Asus Fighting, je crois. Yu Yu Hakusho, c'est cher, je pense. Tous les Yu Yu Hakusho que je connais sur toutes les consoles, ils sont chers. Bon, après, je te laisse regarder pour le reste. Parce que là, on va revenir sur la Catovision pour continuer à jouer. Et on continue, du coup, la petite partie. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs sur 3DO assez cool. Moi, après, c'est surtout les jeux qui ont marqué l'histoire. Pour moi, Dr. Hauser, c'est vraiment un indispensable. C'est pas le son du jeu. Ah, si. Ah, il y a CD Audio qui est en train de rechercher la piste. Ça a mis du temps. Ah, si, je suis pas allé. Et une clé. Il y a... On va remplir son pistolet. Ok. Juste une salle avec de la... Ah, un fantôme. Je dirais que vous avez vu un fantôme. Les têtes, hein, faut pas réfléchir une seule seconde. Faut tirer dessus instant. Sinon, vous vous faites défoncer. Merci pour les signes, mais de rien, quoi. Quel plaisir. Moi, j'aime bien digresser dans mes streams. Tant que ça part pas dans quelque chose qui a aucun rapport avec le stream et que ça dure pas une heure, ça va. Là, c'était pas long. Et ça traite de la 3DO, comme ça. Moi, la 3DO, j'ai... un affect tout particulier pour cette console, et je saurais pas l'expliquer. Ah, je suis mort ! Attends, mais il y a eu un... Pas un bug, mais un... Comment on appelle ça? Un damage répétitif, là? Vous savez, je me suis pris un damage x4, là, on dirait. C'était triste. Bon, bah, continuons. Un peu triste d'être mort. J'ai trouvé ça un peu injuste. D'être mort était un peu injuste. Sur CD remanche pour voir si Lucien's Quest a une fan trad sur Saturn parce que JP only alors qu'il y a une North America sur 3DO. Je vois dans les sorties récentes Falcom Classic sur Saturn, Dragon Slayer, Xanadu et Is 1 en traduit. Ouais, je pourrais le faire, ouais. Au moins peut-être Xanadu.
Parce que Xanadu, il m'intéresse, et Dragon Slayer pour la licence. La licence Dragon Slayer, elle a l'air assez incroyable au Japon, et ça me donne envie. Pourquoi pas de découvrir Dragon Slayer. Et je l'ai vu passer, bien sûr, hein. Tu sais bien que c'est des romances étant H24 sur mon navigateur, en mode F5 à gogo. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme travail. Je lui ai offert un café l'autre fois, là. Du coup, maintenant, je reçois des milliards de publications de mangas bizarres. Mais c'est pas grave. Juste que parfois, les récompenses, quand on aide quelqu'un, moi, j'aimerais bien ne pas les avoir. Pas de clé. Ok. On dirait qu'il y a un grand 8 à côté du manoir. Le on dirait pas des cris d'effroi, on dirait des cris de sensations fortes, quoi. Encore pas de clé. Par contre, dès que j'ai une clé, faut que je revienne en arrière pour tester là, parce que... Ouais. Nope. Bridge carefully now. Clé. Carefully now. Tread carefully now. Les Trails of, c'est la même famille que Dragon Slayer et Xanadu. Ah, ça doit être trop bien. Tu parles de Tales of ou Trails of? Ou Trials of? Parce que là, je sais pas ce qu'il faut que je lise. Je dis pas que tu as fait une faute quand tu as écrit, mais... Trails of, je connais pas du tout alors. Je connais Tales of et Trials of, mais je connais pas Trails of. On peut tromper une fois 1000 personnes. Trails of Cold Steel, Trails in the Sky, je connais pas. Je suis désolé. Excusez mon absence de culture du jeu vidéo. Je connais pas. Carefully. Ce niveau-là est redoutablement labyrinthique. Hein. Okay. Ah, la clé, elle était là. J'ai envie de dire la pute, mais ça serait un peu vulgaire. Etc. C'est la série actuelle de Falcom en termes de RPG, d'accord. Alors, est-ce que je prends la porte d'en bas ou la porte de gauche? C'est là que se pose toute la question. Estas la clé. Elles sont cuitas, les bananas. Ah bah non. Du coup, je vais pas l'ouvrir cette porte puisque c'est la porte. Ok, j'ai pas besoin d'ouvrir cette porte. Ça me fera une clé d'avance. Donc, je vais gagner des clés. Faut que je fasse gaffe à ça. C'est ce que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Je vous expliquais tout à l'heure que ça a été clippé par Saïma parce que c'est mal tombé. Mais plus on a de clés et de portes inutiles pas ouvertes, et plus on peut avancer vite forcément. Ah, là on a une porte. Et où est-ce qu'elle mène cette porte? Elle mène à un endroit que je n'ai pas vu encore. Donc c'est intéressant d'utiliser une clé. Une porte. Une clé. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Salut Andril, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ailleurs que dans un raid. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un raid. Ok, donc Lucien's Quest, c'est le titre américain, donc que 3DO. En JP, c'est Sword and Sorcery. Ah, c'est un jeu connu, alors. Moi, je connaissais pas trop Lucien's Quest, en vrai. Bah, ça va super, écoute, on est en train de jouer à un jeu qui ne me file pas la migraine ce soir.
La dernière fois qu'on a essayé de le faire, c'était hier, et j'ai eu une migraine carabinée en plein milieu du stream sans raison. Et du coup, j'ai raid quelqu'un que je peux pas raid d'habitude. Ah oui, c'était pas Binaris, c'était l'autre. À chaque fois, j'y confonds les deux. Re-Erax. Andril qui a son fan club, apparemment. Un faux rire. Me dis pas que j'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise. Ah putain, je savais qu'il fallait pas que je le fasse et je l'ai fait. Qu'est-ce que je suis bête. C'est terrible. Terrible. Je pense qu'on pouvait juste le faire taire le monsieur là. Et la clé. Ok, donc ça je connais. Là-bas je suis pas encore allé par contre. Je crois que c'est un couloir que je connais pas trop, hein, c'est ça. Là, c'est un grand couloir, mais je suis pas encore trop allé. On dirait vraiment qu'il y a un grand 8. Hein. Donc tout ça c'est un long couloir avec plein de portes. On va essayer de les faire une par une et puis on verra où ça nous mène. Normalement il y a une clé à chaque fois, hein, sinon on est softlock. Mais c'est toujours chiant d'aller chercher les clés. On essaye de faire... Waouh. C'est bien complexe là. C'est de la vie, est-ce que j'en ai besoin? Non. Carefully. Il y a un truc assez précieux au bout de ce couloir. Il y a une porte. Déjà. Ah, la clé, déjà. Je vais me permettre de continuer après ça. La caméra, elle est vachement haute. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Alors là, j'ai deux portes, ok. Si je me colle à la porte pour tricher un peu, ça va dévoiler la carte. Et ok. Bon bah. Ah, d'accord, ils ont remis des clés derrière, c'est bon. Ça c'est bien. D'accord, donc c'était des impasses avec juste des ennemis, ok. C'est très pute ce jeu parfois. Allez go, cette salle elle servait à rien. J'espère que tu as ton Marcel, sinon mon rêve se brise. Ah. Bah, ça dépend s'il est sorti. Vous vous souvenez de la règle, hein? La règle du quack-quack, du Marcel de quack-quack et pas du quack-quack de Marcel. C'est que s'il est sorti de chez lui, il est pas en Marcel, il est en t-shirt. Moi je le préfère en t-shirt. Perso. Je préfère le quack-quack modèle t-shirt que le modèle Marcel. Je dis pas que le Marcel c'est mal, mais... J'ai mes petites préférences. Normalement, il stream pas, donc il est nu. À poil. Non. Je pense pas, quand même. Marcel col roulé. Le col roulé sur un Marcel. Je serais curieux de voir la gueule que ça. Pas sûr de vouloir voir le quack-quack de Marcel. Le quack-quack de Marcel. Ah, je crois que c'était un morceau de la... J'étais content, je crois que c'était un morceau du talisman, mais non. Pour l'instant, j'ai jamais fini ce niveau, hein. Donc après ce niveau-là, ça sera la surprise totale, la découverte. Je préfère que vous le sachiez. Par contre, j'ai quand même ouvert une porte pour arriver là, non? Du coup, ça serait bien de me rendre une clé, non?
Que du body paint, s'il faut. Marcel et le t-shirt, c'est juste un swap color. Toujours sauf exception et la température de la pièce. Ah. C'est la température de la pièce qui dicte l'habillage du quack-quack. Le quack-quack sauvage. Et je crois qu'ils sont forcément apprivoisés, les quack-quack. Il n'y a pas des sauvages. Il n'y a pas l'état sauvage. Il me semble. J'ai pas d'arriver à la salle où je suis mort tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'elle est redoutable, la salle. Alita en Blu-ray 3D 5K, 4K, incroyable. À 8,99€ chez Amazon. Il y a mon Twitter derrière. C'est un peu le problème. Hein. Quand il faut que je sois concentré. Il y a ça. Il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Si. Une clé. Mais alors, à quel prix, bordel? Je vais attraper un quack-quack sauvage. Je mets des miettes de Linker et d'ODE pour la tirer. La fin de la vendance, je m'attends au pire, genre pull Colombo. Bah, je pense que oui. Bah, je pense qu'il va falloir. Hein. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Hein. Enfin, en hiver, je comptais jamais à 100% sur le chauffage. Je trouve ça un peu égoïste. Je comprends pas trop la réaction des gens. Il suffit juste de rester habillé quand vous rentrez le soir et c'est bon. Moi je vois pas le... Après ça serait bien juste que le train... Ça serait bien que tout le monde participe à l'effort commun. Ça, ça serait bien. Parce que j'ai quand même l'impression que le gouvernement participe pas trop. Bon, c'est peut-être juste un délit de sale gueule. Hein. Allez, on trouve les clés, on avance, ça c'est cool. Attends, je découvre Magical Hopper sur Saturn. Je me dis, c'est quoi ce jeu? Il a l'air barré. En fait, c'est Pandemonium. Ah oui, oui, il y a plein de jeux sur Saturn qui ont des jaquettes différentes et des noms différents. J'ai pas d'exemple là, malheureusement. Mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Bah, Need for Speed s'appelle pas Need for Speed au Japon, par exemple. Que ce soit sur 3DO, Saturn ou autre, il s'appelle pas Need for Speed au Japon. Il a un nom chelou. Ça a rien à voir. La clé, mesdames, messieurs. C'est marrant, moi, je trouve, cette construction du level design en mode... T'ouvres une porte, bah, je te file une clé, comme ça, tu peux ressortir et réutiliser la clé ailleurs. Ah, voilà, on revient à l'endroit où j'étais tout à l'heure, ça. C'est... Rassure-moi, il n'y a pas de convecteur chez toi, je fais 35. Alors moi, il y a un PC à côté de moi, si tu demandes à moi. Il y a mon PC qui est juste là et il me fait du 35, quoi, à peu près. Quand il y a OBS de lancer, vu ce que je lui envoie dans la gueule pour qu'il compresse, ouais. Il est... Il me permet d'avoir une bonne température, bien stable. Par contre, quand je l'éteins et que je le rallume dans cet état-là, le BIOS me dit... Il y a une surchauffe sur votre PC, ça sera peut-être bien de vérifier que le ventilateur est bien vissé. C'est rigolo. Un jour il cramera. De toute façon, c'est un peu évolution naturelle. Il me permettra de changer de PC. Je dis ça, mais perso, j'étais déjà à 19 degrés en journée parce que pas besoin de plus. Ah. Actuellement, j'ai des convecteurs chez moi. Je voulais installer la clim, mais je vais attendre un an, voir un peu comment je vis l'hiver chez moi. C'était rigolo. Oui, c'était rigolo. Je trouve ça rigolo quand ton PC se trompe, quand il croit vraiment que t'as pas mis de radiateur sur ton pros, alors que sans radiateur sur le pros, le PC s'éteint, en fait. C'est-à-dire que le radiateur, le pros dit, bah non, en fait, je vais arrêter de chauffer pour rien. Mais c'était bien d'essayer, merci. Je sais pas si t'as déjà essayé d'allumer ton processeur sans radiateur, mais il te le fait comprendre.
il te dit ah bah non. C'est moi ou c'est tout arabiscoté ce niveau? Et dans ta arabiscoté, il y a biscotte. Ne l'oubliez pas. Où suis-je? Ah oh, mais c'est la grande salle ça. Du démon. Donc ça c'est un retour dans une salle que je connais déjà. Donc je vais utiliser la porte verte. J'ai pas encore ouvert. Ah si, je l'ai ouverte. On va aller voir. Où suis-je? Ouais, je suis là, d'accord. Là, il y a la porte verte. Et je suis jamais allé ici. Donc, vous savez ce que j'aimerais voir sortir? C'est tous les jeux que Sony a sortis sur PSVR Only et qu'ils les sortent enfin en dehors du PSVR. Je pense à Déraciné et Astrobot Rescue Mission. C'est deux jeux que j'aimerais beaucoup voir en dehors du PSVR. Malheureusement. Et pas demain la veille. Comme dirait l'autre. Attends, j'ai merdé là, parce que je suis allé dans l'endroit le pire du jeu. C'est bon. Tac, voilà, ici. Oh, surtout qu'ils vont les migrer sur PSVR 2 et c'est tout. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que les gens ont pas pu essayer Astrobot VR Rescue Mission et il est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs jeux de la PlayStation, quoi. Pray carefully now. Est-ce que ça vous saoule, vous, ce bruit, cette voix? Parce que moi, oui. Ça commence. Pour ça, ils sont pas compatibles les jeux PSVR avec le VR 2. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est le PSVR 1 n'est pas compatible PS5. Et les jeux sont... Vas-y, le PSVR 1, pardon, est compatible PS5 que pour les jeux PS4. Et... Attends. Et c'est ça avec le... Non, en fait, t'as raison, c'est moi. J'ai rien dit, t'as raison. Ça. C'est exactement ce qu'a dit Seymar. Et c'est de la merde, bien sûr. Non mais attends, ça peut pas aller au bout. Mais sérieux? Il y a zéro limite de... Ah, je l'ai eu. Cette distance de tir que j'ai. Incroyable. Il y en avait deux des mecs. C'est là que je suis mort tout à l'heure. Pour info. Précisément là que je suis mort. Donc on avance. Le PSVR tourne sur PS5, un adaptateur gratos fourni par Sony. Parce qu'ils y ont pas pensé. Ah, une clé. De l'autre côté de la salle, on a des méchants. Ils essayent de tuer les gentils, du coup. On connaît le... chanson. La clé. Récupère des items, trop bien. On récupère de la mot. Et
Ouais, du coup, Lost Eden. Franchement. Essaye-le, tu m'en diras des nouvelles. Moi, j'ai vraiment accroché à l'univers, à la musique, à tout. C'est vraiment très classe. C'est une très bonne expérience. Et c'est par le mec qui a fait la musique de Dune. En plus. Et tu vas voir que c'est un peu particulier au début, hein, comme le Spice Opera de Dune. Hein. De toute façon, il est spécial. Mais c'est plutôt cool, hein, réellement. Je connais personne qui a pas aimé du tout Lost Eden. Il y a le jus d'orange. La sauce. Je crois qu'il y avait des trucs pour remettre de la vie là. Hein. Genre des ennemis. Presque plus de balles. Partout les ennemis, ça. À voir, je serai peut-être la première personne. Ouais. Et au moins tu l'aurais essayé, par rapport à d'autres que t'as dit qu'ils étaient pas bien sans les essayer. J'ai fui lâchement, et du coup je trouve aucun truc pour remettre de la vie alors qu'il y en avait plein à des endroits que j'ai laissé. C'est embêtant. Quelqu'un sont un peu redondants pour un jeu CD quand même. Oui. Mais normalement je suis censé finir le niveau là. Au bout d'un moment. C'est juste que je suis perdu. Ah d'accord, bah j'ai cramé une de mes clés. Okay. J'aurais pas dû. Je trouve juste un truc pour remettre de la vie parce que j'ai pas envie de me retaper le niveau en entier en fait. Alléluia! On avait fait un dungeon crawler, je sais pas si vous vous souvenez, en FMV sur 3DO il y a pas très longtemps. C'était rigolo. Je trouvais ça intéressant. Ils ont réussi à faire un dungeon crawler dont les règles sont fatalement très précalculées hein, sur un dungeon crawler. Vous arrêtez toujours à des endroits précis pour faire vos actions, parce que c'est au tour par tour. Et du coup, ça marchait bien, étrangement. Bonne équipe, merci pour cette découverte, à bientôt. Salut MO5, merci beaucoup d'être passé et à la prochaine. Des bisous. Donc l'amulette est bien là, il faut que j'y retourne maintenant. Et ça va être long. Donc c'est la salle où il y a le point, le talisman pardon, pas l'amulette, le talisman jaune où je me suis fait défoncer quoi. Par la quantité d'ennemis, donc c'est par là. Carefully. Ah non, pas du tout, c'est l'autre côté. Okay. Par là, par ici, pour là. Esperluette. Là. Normalement. Là, j'avais déjà de la vie. Pourquoi je l'ai pas acheté là? Je vais récupérer de la vie là.
Oh là là, ça va être long. Il faut aller le plus possible par là. Par contre, j'ai rien pour tirer, ça c'est chiant. Voilà, là, j'ai... Voilà. Refile mon tir. Ensuite, on va... Je fais là. Ah, je suis gouré de sale, effectivement. Ça, c'est du labyrinthe, c'est clair. C'est tout le principe du jeu, c'est ça. Après, c'est du labyrinthe plutôt bien level designé, je trouve. Par rapport à certains jeux de cette époque-là, où ils faisaient des trucs juste à l'arrache, en mode... Allez, attends, tu vas bien galérer. Et puis c'était tout. Il n'y a pas trop de réflexion. Là, il y a de la réflexion, je trouve. Dans les manières de créer le labyrinthe. À partir de quand il y a des méchants, je ne sais plus. Et on peut vraiment passer entre les trucs. Attends. Je suis une femme de couleur. Je suis là. Ok. Du coup, si je fais saut et saut, l'eau. Qu'est-ce qu'on a ici? Le champ. Je vais le tuer là gentil. Faut que j'arrête de tirer trop comme ça. Des munitions. Il n'y a rien. Right. Des bonus. Et une clé au bout, non? Même pas. Ah. Bah, du coup, j'ai plus de clé. Chier. Bon, allez, on va avancer dans l'endroit qui me fait peur. Sinon, j'irai jamais. Grande salle. Ah, je suis pas allé là dans la grande salle. Vas-y. Ah, bah il y a une clé là. Donc le retournement est long. Forcément, on est sur console. Et. Bah, on va voir. Ça c'est le couloir de la mort pour le coup. Ah merde, j'ai plus de balles. Ah là là, chier. J'aurais dû faire gaffe. Et si on a pas assez dans le niveau des balles, on fait comment en fait? J'ai pas pensé, mais... Est-ce qu'ils les font repop, les trucs, des fois? Parce que si c'est pas le cas... Pires ennemis quand on a plus de balles, c'est eux. Ah, la mulette. La truc. Hein.
Allez. Ça s'est plutôt bien passé finalement. Vous pouvez vous réveiller, hein, c'est bon. Je me doute bien que c'est pas le moment le plus passionnant, mais pour moi c'est haletant et compliqué. Donc c'est rigolo. Alors maintenant, il faut trouver la sortie parce que je sais toujours pas où elle est. D'ailleurs. Faut que je retrouve l'endroit où il y avait la méchante là. Vas-y, que me touille le cerveau, perso. Bah, il est là. Les bruitages, ça va normalement. Les bruitages, en fait, ils font partie de la musique, Baboul. Donc t'es caté. Enfin, les bruitages chiants, en tout cas. Six tankers de tapisserie rouge ont été utilisés pour ce niveau. Oui, je pense. Je pense aussi. Ok, on sait où il faut aller. Par contre, je suis dans la dèche, hein, moi. Je sais pas si les développeurs de ce jeu se rendent compte à quel point ils m'ont mis dans la dèche. Avec l'énergie que j'ai et tout ce que j'ai là. J'ai de quoi tirer. C'est normal, hein. Je suis un bon tireur d'ailleurs. Ça va très bien avec le jeu. Est-ce que la musique vous énerve ? J'ai coupé. Décidé, à commun accord avec moi-même. Une personne a été égorgée par le bruitage de ce jeu. Je pense que les gens se sont... petit suicidé avec du yaourt périmé pour échapper à l'enregistrement des voix du jeu. Meilleure musique de jeu vidéo. Probablement meilleur jeu vidéo de court. Bon. Et oui, Tom, il a... Tom, il est au bon endroit du stream, je crois. C'est la mort sur le Chihuahua. Sur le Chihuahua. La mort sur le Chihuahua. Tire les pimpons sur le Chihuahua. Bon, on va tester un truc. On va faire Kid Game. J'ai une sauvegarde exactement là, de toute façon. On va enlever la musique de Jumping Flash. Et on va essayer le niveau 4 en practice, histoire de voir un peu à quoi ressemblent les décors. Et on se quittera vers 23h, je pense. Vers 23h30. En train de découvrir le nouveau niveau. Je suis désolé, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, mais il faut que je le fasse. Alors. Beastly Belfry, ça doit être le premier. Evil Attic, c'est le deuxième. Le troisième, c'est là où je suis. Et Ghostly Gallery, on va faire. Et on va faire Stato Game U. Normalement, ça nous fera un nouveau niveau à découvrir et à regarder. Pour voir un peu ce que nous réservait le niveau suivant. Parce que là, je suis mort à cause de... Je comprends pas comment ça peut me tuer aussi vite. Mais bon. Là, on peut voir tous les niveaux, du coup. Donc on est toujours dans des décors tapisseries d'une musique un peu plus... Ah, bah des araignées, tiens.
Alors par contre, vous êtes gentils les gars, mais comment je... Oh là là! Cet enfer sur la terre. Attends, comment on bute les araignées? Ah d'accord, le pic de difficulté, je le cherchais, mais il est là en fait. Il était juste devant moi. Je suis en train de crever. C'est très désagréable comme sensation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mourir, c'est pas agréable. Saute! Salope! Saute, salope! Salope! Le niveau favori de samedi. Oui, les araignées. Après, j'ai dit que c'était réservé à un public adulte, donc ça prend en charge les araignées, je veux. Hop, voilà. Oh là là! Eh! C'est fini là, le. Eh! Où? Eh! Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas désagréable. Hein. Saute! 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 Oh là là. C'est dur, hein. Et bah, le jeu devient extrêmement dur à partir du niveau 4. Comme nous l'avons vu. On prendrait bien un supplément cri avec vos hurlements. Oui, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, ça c'était le niveau 4. On va aller voir le niveau 5 hein, quand même pour voir ce qui nous réserve après. Pardon. Le jeu nous réserve bien des surprises, je trouve. Le 3DO Experience from Electronic Arts. Bibamboum, Room of Gloom, Ghostly Gallery et donc Demonic Dungeon. On va voir ce que ça donne. Demonic Dungeon. Un supplément cri avec vos hurlements. Le haut des hurlements. Ah! Là, on est à la cave. Ah, c'est joli, là. Là, ça fait presque Donjons et Dragons. Non, le jeu, il rame un peu plus que tout à l'heure. Ils vont naître, eux. Je les sens bien se lever. Levez-vous et marchez. Eh, hey, c'est sympa, hein. Enfin, je veux dire, c'est sympa. Les décors, les graphismes sont classe pour les décors. Un token, un gemme bleu, une clé, et tous les items dans ce... Un token... Ah! Une tête. Une tête, et une porte. C'est le vomi qu'il faut éviter ici. Un token, show you token. A token. Show you token. Exacto. J'ai vu qu'il y avait tous les influenceurs qui s'étaient mis à Street Fighter 6. C'est mignon. Je comprends pas comment ce genre de communication peut marcher si bien. Alors on va donner Street Fighter 6 à tous les influenceurs sur Twitch.
Comme ça, ça fera un événement vraiment spécial pour un influenceur. Et le jeu, il aura vraiment vachement de prestige. Parce qu'il sera dans les mains de tout le monde. Je comprends pas. Manière de communiquer, c'est pas grave. La close bêta ce week-end. Ouais, la close bêta envoyée à tout le monde, quoi. Et vraiment à tout le monde. Je crois qu'elle est stable en termes de crossplay. Ah. Je sais pas trop. Moi je pense pas. Je pense que je vais faire l'impasse sur ce Street Fighter. Ah, là on a un exemple parfait du comment fonctionne le level design de ce jeu. Je trouve ça vraiment cool. Genre, t'as des clés derrière chaque porte, faut juste aller les chercher à chaque fois, quoi. Si tu te trompes de porte, bah t'as juste des bonus à la limite. Et des fois t'en as même pas, t'as juste la clé à trouver dans la salle. Je trouve ça marrant. Spécialiste de Cacto Game. Comme Émule-moi par exemple, le grand spécialiste de la baston. C'est un grand spécialiste de la baston, Émule-moi, je crois. Vous croyez qu'il l'a mis en 4K le jeu? Ou en 8K? On dirait que le niveau il ronronne. Genre follow Émule-moi. Bah oui, tu dois le follow Émule-moi. Avec ta grosse Recalbox pleine de full set là. Je crois qu'on te connaît pas. Je crois qu'on t'a pas vu. Je crois que derrière moi il y avait un vomisseur, une tête vomisseuse. Genre. Il était genre. Elle était là, je pense. Elle a demandé pour la partie de la bêtise. Il la donne grade. Non mais sérieux quoi, les éclats de vomi, c'est ultra violent quoi. Je suis deg, c'est trop dur. Trop dur, et la neige elle est trop mal pour moi. Ah au fait, merci à Monsieur Neko et à Unwarlord pour leur follow hors stream. Je vois que MO5 évidemment parle du projet MSX et donc je vais vous raid chez eux. Car ça y est, j'en ai ma claque de ce jeu. Peut-être que on va... Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un dernier niveau avant. Et après on vous raid chez MO5. Je sais que il y a pas mal de gens qui ont dû partir déjà chez MO5 en mode pour voir de quoi ça allait parler. Donc je vais faire ça. Je vais sélectionner le dernier niveau pour l'instant qu'on n'a pas vu. Si je me souviens bien, c'est celui qui est après. Il y a Dame Dame sur Twitter 6. Ouais. Kayane, Dame Dame, ces gens. Incroyable. Ghostly Gallery, Demonic Dungeon, Prisoner's Peril. On va regarder si c'est des nouveaux graphismes ou non. Et je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on va même pas trop tenter de faire le niveau. Du coup, je vous encourage à regarder mes réseaux sociaux évidemment pour savoir ce que je vais faire. En général, j'annonce toujours à 17h max, 18h, ce que je vais faire dans la soirée à 21h. Parfois, j'annonce plus tôt, à 15h ou des choses comme ça. Et voilà. Oui, Kayane, c'est normal. Et je vous envoie chez MO5, voilà. Donc, de toute façon, je vais participer au stream, donc vous pouvez leur dire bonjour de ma part, mais je serai là. Ne vous inquiétez pas. C'était Escape from Monster Manor. Un vrai bonheur d'avoir streamé ce jeu. Je suis content de ne pas avoir eu la migraine à cause du jeu après. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée chez MO5, pour le coup. Et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour la suite. Bonne soirée, bonne nuit. Salut Tom, salut Pisuke, salut Seima, salut Erax et salut Andril aussi. Salut à tous, bonne soirée, bonne nuit, bisous. Bonne nuit, quoi.